Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle webconférence. Alors, je vous envoie un petit message pour savoir si tout se passe bien. Et je vous invite vraiment à... Voilà, comme le fait Thérèse, bonjour de Montréal. Je sais qu'elle vient de Montréal. Super! Donc, mettez à chaque fois, si vous avez envie de mettre un petit mot, excusez-moi, mettez à chaque fois d'où vous venez. Bonsoir Hilda. Je ne vous vois pas encore. Bon, j'espère que les autres. Oui, Anne-Claire me dit que tout va bien. L'Alsace. Rennes. Alors, Nina est là. Nina, c'est elle qui va vous accompagner dans les dédales. Si jamais vous avez des problèmes, c'est aussi elle qui va vous donner les liens vers. Si je vous donne des liens, si je vous parle de ceci ou de cela, elle vous donnera les liens. Voilà, c'est. Ma petite aide, ma grande aide. Alors, il y a beaucoup de France, il y a aussi encore Montréal, plusieurs de Montréal, Bruxelles, Vienne en Autriche, waouh, super, Pas-de-Calais. Bon, Christelle sur l'ordi de Gérard, ok. Québec, Bruxelles, eh ben. Donc, Nina vous donne des conseils de première lecture si vous avez des problèmes. Suivez-les bien, ça peut vraiment aider. Ce que j'espère aussi, c'est que vous êtes connecté avec Google Chrome, parce que Google Chrome a quand même de meilleurs résultats que... Voilà, il y a plus de stabilité qu'avec les autres interfaces. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on préconise ça. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Dans les questions, au départ, vous savez, il y a toujours un temps pour que vous arriviez. Donc, où je comble, je remplis. Ça permet en même temps que chacun prenne le temps de se familiariser avec l'interface s'ils ne connaissent pas. Dans cette interface, nous allons communiquer avec le chat. Alors, moi, rassurez-vous. La webconférence, je ne l'écris pas dans le chat, je vous l'ai dit, c'est-à-dire que moi je communique avec vous par la voix, mais vous communiquez avec moi par le chat comme effectivement vous êtes en train de le faire. Et vous pouvez, il y a effectivement sur l'interface, il y a la possibilité de demander la parole avec la main qui est levée, mais je ne vous la donnerai pas, donc c'est pas la peine de la demander. Vraiment, allez vers le chat, les deux petites bulles là où c'est marqué chat, c'est là que vous allez écrire. Du coup, vos questions, ça va se faire. Par le biais du chat, vos questions, vos réflexions. Vos réflexions, moi je vais les lire, mais je vais pas forcément toutes les lire à haute voix. Je prends souvent un temps après la webconférence, une fois que c'est terminé, pour lire effectivement toutes les réflexions que vous avez apportées, parce que je n'ai pas toujours le temps de les lire quand il y en a beaucoup, 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 de les lire en temps réel. En revanche, je vais vraiment m'attacher à lire vos questions. C'est plus facile quand vous posez des questions de les reconnaître quand vous avez un point d'interrogation, mais en même temps, sur cette interface, Nina va m'aider à les repérer. Il y a de temps en temps, vous verrez un petit écu rouge qui marque question. Ça, c'est effectivement dédié à Nina, c'est-à-dire que ne jouez pas avec. C'est comme ça qu'elle me signale les questions qui restent à répondre, celles qui ont été répondues. Voilà, c'est notre petit code à toutes les deux. Donc, ce qui est important, c'est que vous ne vous occupez pas de ça. Ce n'est pas à vous de noter que votre question est une question. Normalement, la manière dont elle est posée, on sait que c'est une question. La manière dont elle est posée, ce que je vous invite vraiment, c'est à ce qu'elle soit claire, à ce qu'elle soit complète, parce qu'il y a un temps de décalage entre ce que je vous dis, le moment où vous avez votre question, le moment où vous écrivez votre question, le moment où je reçois la réponse. Donc je ne sais plus forcément de quel sujet. Alors, je sais que ça va être dans le domaine de la sexualité et peut-être de la séduction, mais plus en détail, il se peut que je ne sache absolument pas à quoi ça se rapporte. Donc si vous dites simplement, est-ce que tu peux m'expliquer ça? Le ça, je ne sais pas ce que c'est. Et en même temps, bah, si vous mettez des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de texte, je vais passer le temps à lire les textes, donc c'est pas génial. Donc ça vous apprend vraiment à être concis, précis, clair et complet. Voilà, ça vous demande d'aller à l'efficace. Dans les autres éléments, je pense. Voilà, je pense que j'ai pas forcément grand-chose à rajouter sur l'interface.
Ce temps, c'est un temps qui est aussi pour vous, qui est pour vous. C'est installez-vous confortablement, ayez votre petite couverture doudou, quelque chose à boire, de quoi écrire éventuellement, des choses comme ça. Voilà. C'est un temps qui est vraiment. Voilà, vous voyez, par exemple, Rosemary, elle a mis Q sur pour marquer que c'était une question. C'est pas une question, je l'enlève. Mais si elle peut trouver le moyen de ne pas mettre ça, ça nous facilite la tâche dans la compréhension entre Nina et moi. Voilà, il y aura un replay, mais vous commencez peut-être à en avoir l'habitude, peut-être pas. Je vous offre ce privilège de pouvoir assister gratuitement au live parce que j'ai vraiment pour moi, j'ai envie d'honorer cette implication que ça demande d'être au live et qu'en même temps, le live existe parce que vous êtes là. Et ça, je vous en remercie énormément. Moi, ça me touche toujours beaucoup de vous sentir là, que vous participiez ou pas, il n'y a pas obligation de participer pour être au live. Vous savez très bien, vous pouvez être en silence, loin derrière, et être dans le live, ça n'empêche que ça contribue au fait qu'il existe. En revanche, le replay, l'implication est effectivement financière. Donc, pour moi, c'est le choix que j'ai fait. Et je vous invite vraiment, si jamais vous avez envie de vous procurer le replay, c'est cette notion de vous dire, tiens, qu'est-ce que j'investis sur moi avec ce replay? Et le fait de s'investir, ça veut dire que ce que j'espère, c'est que ce replay, il ne restera pas dans les oubliettes de votre ordinateur, ou, mais c'est que vous allez en faire quelque chose. Parce que c'est bien ça, pour moi, ce qui est important, c'est que... Ce que je vous raconte, ce que je vous dis pendant ces webconférences, ce que vous allez garder de ces webconférences, c'est que vous le mettiez en pratique dans votre quotidien pour que ça change des choses dans votre quotidien et dans votre sexualité. Mais aussi, la sexualité, c'est le point de départ de l'évolution personnelle, donc ça touche à plein, 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 plein de choses. Donc voilà, il y aura effectivement un replay. Si jamais vous êtes trop fatigué pour aller jusqu'au bout, des choses comme ça, c'est important de vous respecter. Et peut-être que le fait de célébrer, le fait de vous être respecté en lâchant à un moment donné, soit ça peut être de rester en somnolant devant l'ordinateur, à côté de l'ordinateur, sauf que vos cellules captent tout. Donc ça veut dire que même si vous vous endormez, vos cellules ont capté. Par contre, c'est pas votre tête qui va savoir ce que vous avez capté. C'est ailleurs. Est-ce que vous allez pouvoir y faire confiance? Ça, je ne sais pas. Ou sinon, une manière de vous célébrer, ça peut être de dire, OK, je vais m'offrir ce replay. Voilà. Ça, c'est le petit temps par rapport à ça. La webconférence, elle va se placer grosso modo en trois temps. Ce temps-là d'introduction qui arrive petit à petit à sa fin. Puis il y aura le temps d'introduction proprement dit de la webconférence. C'est la partie qui va être en libre accès public. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, je ne m'occupe pas de vos questions et de tout ça. Je dis ce que j'ai à dire et voilà. Et puis ensuite, effectivement, vous vous en rendrez compte parce que je m'arrête, je ralentis le rythme, je bois un coup, je vous le dis. Voilà. Alors ensuite, on est dans cette petite salle dans laquelle il y a quand même pas mal de monde. Il n'y a pas forcément un espace dédié aux questions. Même si jamais il me reste du temps à la fin, je vous dis, et est-ce qu'il reste des questions? Ça n'empêche que vous pouvez me poser vos questions à tout moment. Si vous les perdez de vue, ne vous inquiétez pas, moi je scrolle, je passe mon temps à les chercher en même temps pour voir si j'en ai oublié ou pas. Je ne réponds pas forcément immédiatement à une question, parfois parce que je suis dans un sujet qui n'est pas en lien avec la question, ou parce que je sais que je vais y répondre plus tard en abordant autre chose, ou voilà, je cherche le moment qui est approprié. Ce n'est pas parce que je vous oublie. Et si jamais c'est parce que je vous oublie, eh ben Nina me rappellera à ma mémoire. Si jamais vous n'avez pas posé vos questions d'ici la fin de la conférence, vous pouvez toujours me les poser par mail, me les poser, j'en sais rien, il y a plein d'espaces dans lesquels vous pouvez me poser des questions. Et moi, voilà, j'aime bien répondre à vos questions. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Si vous hésitez à poser des questions pendant cette conférence, moi, je vous dirais, posez-la. Posez-la, quelle que soit la forme, quel que soit ce qu'il y a dedans. Sachez que chaque question qui est posée,
aide, nourrit l'échange et ça apporte des réponses à plein de personnes qui ne se posaient pas cette question-là ou qui se la posaient sans oser la poser ou voilà. Donc ça, c'est précieux. Chaque question qui est posée est précieuse. En même temps, ben dans cet espace-là, c'est vraiment un temps pour ouvrir. Si vous avez assisté aux deux précédentes webconférences, ben c'est vraiment un temps pour pouvoir ouvrir une autre manière de voir les choses. Donc, oser ouvrir. Tiens, et si je regardais, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous regardiez avec ce que je vais vous dire. Mais c'est comment vous pouvez vous imprégner de ce que je vous raconte. Tout ce que je vous raconte, ça part de mon expérience, que ce soit de femme, de toutes mes années de femme, et j'en ai encore devant moi, il y aura encore d'autres expériences, et en même temps, et d'accompagnante de femme. Donc voilà, il y a vraiment cette notion, moi je vous apporte ça, et c'est vous, comment est-ce que vous pouvez vous dire, tiens, et si? Et si j'avais des choses à m'imprégner de ça, plutôt que de dire, oh, ça vient trop me bousculer, du coup je ferme et je rejette tout. Non, moi ce que je vous invite, c'est à ouvrir. Ce que je vous apporte, c'est des éléments qui sont beaucoup dans la vie. Et la vie, elle est ouverture. Dès qu'il y a des barrières et des ornières, c'est de la survie. C'est pas de la vie. Donc là, par ces webconférences, je vous invite vraiment à ouvrir vos écoutilles et à lâcher quelque part vos croyances. Quitte à les reprendre après, mais au moins le temps de cette conférence. Voilà. Alors, je vais bientôt me lancer dans la suite. Donc, cette webconférence, la troisième du cycle sexualité, si on parle les vrais. Qui jalonne toute cette année 2021 à raison d'une webconférence par mois sur des sujets qui, moi, me passionnent, me touchent et certains sujets que je trouve vraiment fondamentaux, comme celui de ce soir qui est effectivement séduction, comment y jouer sainement. Et en sous-titre, j'ai mis Et si vous laissiez votre féminité s'exprimer librement? Déjà, on voit qu'il y a la féminité, s'exprimer librement, et la séduction, et sainement. C'est vraiment tous ces mots-là avec lesquels je vais jouer. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que ça se ramène quelque part à est-ce que je suis séduisante ou est-ce que je cherche à être séduisante? Et ça va être la grande distinction. Je suis séduisante, c'est un état. Je cherche à être séduisante. Là, je vais vers une façade. Je mets une façade, ma façade séductrice. Et dans ces éléments-là, c'est très différent. Un état, ça veut dire que j'habite tous les espaces de mon corps de femme. C'est là où on rejoint la féminité. J'habite tous les espaces de mon corps de femme. J'ai une puissance rayonnante parce que lorsque j'habite mon corps de femme et que je suis à l'aise avec, ça rayonne. Et ma puissance s'exprime. C'est pour ça que je vais pouvoir exprimer ma féminité librement, parce que j'ai cette puissance rayonnante à l'intérieur de moi qui inspire le respect. La dernière webconférence, c'était sur le respect justement, et comment être gardienne de mes terres intimes. Ben, on va retrouver ça. C'est pas pour rien que je l'ai placé avant la séduction. Ça va être ma sécurité. Comment je peux séduire sans me mettre en danger? C'est parce que j'ai cette gardienne de mes terres intimes à l'intérieur de moi avec toute sa puissance. Chercher à être séduisante, c'est effectivement une façade, c'est un masque que je mets, même s'il peut être très beau, très séduisant. Mais ça veut dire que derrière, il y a du vide. Que le jeu auquel je vais jouer, c'est avec des faux-semblants. C'est des choses qui tiennent pas forcément sur beaucoup de choses. Ça peut être un leurre. Et ce qui est important, c'est que les hommes ne se leurrent pas de ça. Ils vont en jouer. Et c'est là où le gros risque, lorsque je cherche à être séduisante, c'est que je me mets en danger. Je ne sais pas comment les hommes vont jouer avec ça, comment ils vont s'emparer de ça, parce qu'ils savent très bien que c'est une façade. Et ils vont jouer pendant quelque temps avec la façade, et puis après, ben, soit peut-être que...
ils sont fatigués, ça les amuse plus et autres, ils vont l'abandonner dans un coin, plus ou moins décemment. Soit, effectivement, ils vont prendre la façade pour essayer de la démonter et démontrer que c'est une façade. Et ça peut être plus ou moins violemment. Et c'est cette notion, c'est-à-dire que si vous cherchez par la séduction à attirer des personnes qui vibrent à ce que vous êtes, si vous mettez une façade, vous allez attirer des gens qui vibrent à la façade, donc pas à votre être. Alors que si vous êtes séduisante parce que vous êtes simplement femme, pleinement sensuelle jusque dans votre sexe et en habitant pleinement votre féminité, ben à ce moment-là, ce que vous allez attirer, c'est effectivement des hommes qui vibrent à cette vibration-là. Pour générer cet état, ce soir, on va beaucoup plus parler de cet état que de la façade, puisque je vous parle beaucoup plus de vie que de ces espaces de facettes égotiques qui nous animent si souvent. Et que ce que je cherche vraiment avec ces webconférences, c'est non pas à vous donner des clés, pour celle de ce soir, vous donner des clés par rapport à comment pouvoir séduire en 10 leçons ou des choses comme ça, des petites clés pour pouvoir mieux séduire ou des choses comme ça. Non. Moi, ce que je vais chercher, c'est à vous donner des clés pour être séduisante. Dire pour rejoindre cet état qui demande que vous aimiez votre corps de femme. Et j'ai même envie de dire que vous aimiez votre corps de femme sexuée. Et ce point-là est important. Est-ce que vous aimez votre corps de femme jusque dans votre sexe? C'est vous amener à vous sentir séduisante par nature. La femme est séductrice par nature. Elle est belle par nature. Vous êtes femme, donc vous êtes belle et vous êtes séductrice, que vous le vouliez ou pas. Et lorsque vous êtes en accord avec ça, vous n'avez pas à chercher à être séduisante, vous l'êtes. En revanche, vous pouvez à certains moments jouer avec cette séduction. Et la séduction, si vous cherchez à l'être, j'en ai parlé, mais si vous cherchez à la cacher, là aussi, il va y avoir un leurre. Et ça va provoquer la même réaction chez les hommes. Le fait d'aller vers cet état, ça demande aussi que vous soyez reine. Pour moi, reine, c'est que vous soyez pleinement dans votre harmonie masculin-féminin, avec donc cette gardienne de votre féminité et votre féminité qui peut effectivement se déployer, qui est votre sensibilité, votre vulnérabilité. C'est par elle et c'est effectivement avec elle que vous allez séduire, sans vous mettre en danger parce qu'il y a votre gardien. Donc pour moi, c'est cette harmonie masculin-féminin que j'appelle être reine. Et être reine, ça veut dire que vous régnez sur vos terres, vous prenez la responsabilité de ce que vous faites et les conséquences de ce que vous faites. Vous n'êtes pas mendiante de signes de reconnaissance. C'est ça qui est important, c'est que vous les avez, vous les apportez. Cet état, c'est aussi parce que je m'ouvre à l'autre et je suis ouverte à l'autre avec un espace de non-jugement. C'est-à-dire que je peux accueillir l'autre comme il est et c'est là où il va pouvoir y avoir rencontre. Si je suis dans un espace avec plein de projections que je projette sur l'autre, plein d'attentes que je projette sur l'autre, il ne peut pas y avoir rencontre. Il peut juste y avoir frustration. Et ensuite, le point le plus important, ça va être que je sois claire avec mon désir. Qu'est-ce qu'il y a dans ce jeu de séduction dans lequel j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que je cherche? Est-ce que je suis claire à l'intérieur de moi, dans toutes mes cellules? Et est-ce que j'ai conscience de ce que je déclenche et quoi en faire après? C'est quoi ma limite? Voilà, il y a toutes ces questions-là. Dans cette webconférence, je vous donne des clés sur chacun de ces points-là pour que vous soyez femme, pleinement femme, et que les hommes puissent apprécier effectivement ça. Je parle effectivement principalement aux femmes, mais il y a plein de choses que les hommes vont pouvoir aussi s'approprier pour pouvoir aller vers leur séduction. C'est la même chose. C'est aussi avec votre vulnérabilité, messieurs, que vous allez séduire. Ce n'est pas forcément avec la façade de vos gros muscles. Donc voilà, je réponds à tout ça. Et si vous avez envie d'aller plus loin, ben voilà, allez rester jusqu'à la fin de cette conférence. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'état de séduction, c'est un état qui est naturel. Donc, plus je vais vers moi, plus je vais vers mon authenticité,
plus je m'accueille dans ma vulnérabilité et plus je vais pouvoir être séduisante et accueillir ce que j'ai à accueillir. Donc on se rend compte que il y a déjà une question, c'est la question d'Edith. Peux-tu en parler un peu de cette gardienne de notre intimité? Écoute là, Edith, je te renvoie instantanément à la webconférence précédente. C'était toute la webconférence, c'était ça. C'est comment est-ce que je suis gardienne, c'est-à-dire que je me pose avec mon masculin pour pouvoir avoir conscience de ce que j'ouvre, de ce que j'offre de moi et de ce que je ferme et de quelles conséquences ça a quand je ferme. Et ça, c'est comment est-ce que je suis gardienne éventuellement même de mes portes intimes, c'est-à-dire toutes les portes que j'ai décrites dans la webconférence du mois dernier, toutes ces portes qui amènent jusqu'à mon sexe. Et la dernière porte qui est effectivement la porte mémoire de mon hymen. Donc il y a vraiment cet élément-là. Alors, je rebondis aussi, je lis vos questions pendant ce temps-là. Effectivement, Elisabeth, tu dis quelles sont les clés pour séduire l'homme dans votre vie. Donc là, ça me permet de reposer un petit peu le cadre, c'est-à-dire qu'effectivement, je me positionne là dans un cas général d'une femme cherche à séduire un homme, mais ça peut être une femme qui cherche à séduire une autre femme, ça peut être une femme qui effectivement joue pour séduire son employeur ou pour... Il y a plein de moments dans lesquels on séduit l'homme en faisant cette conférence, quelque part je me sens séductrice parce qu'effectivement j'ai envie de vous passionner. Et est-ce que c'est pas ça dans la séduction, est-ce que c'est pas de passionner l'autre? D'éveiller une passion, c'est réveiller la vie à l'intérieur de l'autre, jouer à la séduction. Donc effectivement, je vous ai dit qu'on aborderait ces grands jeux de la séduction et qu'est-ce qu'il y a derrière. Déjà, c'est important de savoir qu'il y a beaucoup de parts de la séduction qui nous échappent, dont nous n'avons pas conscience. Il peut y avoir justement, quand j'essaye de répondre à une offre d'embauche ou des choses comme ça, je vais chercher à séduire. Mais je n'en ai pas forcément conscience. Des fois, ça peut être aussi en faisant des courses, des fois, ça peut être... Peu importe, il y a plein de moments, en parlant à mon voisin, il y a plein de moments où effectivement, j'ouvre cette facette de moi qui est séductrice. C'est logique, puisque ce que je vous ai dit, c'est que c'est un état naturel de séduire. En revanche, c'est à quoi je joue. Parce que, en fonction de ce à quoi je vais jouer, je vais récolter des choses différentes. À quoi je joue, c'est que bien souvent, avec, dans la majorité des cas, avec la séduction, je vais chercher à recevoir des signes de reconnaissance. Les signes de reconnaissance, j'en parle et j'en reparle, c'est vraiment reconnaissance de mon existence, reconnaissance de ce que je suis. Et lorsque je cherche à être séduisante et lorsque je cherche à séduire, c'est que j'ai envie de recevoir des signes de reconnaissance comme quoi je suis belle, comme quoi je peux être désirée, comme quoi je suis désirable, comme quoi je suis femme, comme quoi je suis bien habillée. Il peut y avoir tous ces espaces-là. Ça, le danger, c'est que si moi je ne me le reconnais pas et que j'attends que l'autre reconnaisse ça, je dépends de l'autre. Et que l'autre, il va jouer avec ça. Puisque moi, je ne les ai pas, ça veut dire que derrière ma façade, de t'as vu comme je suis belle, ça veut dire moi je me sais pas belle. Donc je me crois pas belle, ou je m'aime pas, ou n'importe. Et c'est ça que voit l'autre. Il voit ce décalage entre vous et la façade. Donc effectivement, il peut jouer avec la façade pendant un temps, mais ce qu'il va aller chercher, c'est vous. Et c'est là où ce qu'il peut y avoir, c'est des fois des retours de bâton qui sont assez durs, à plus ou moins long terme, qui peuvent des fois aller jusqu'à de la violence de la part de l'homme, viol, abus ou des choses comme ça, alors qu'au départ, il y avait peut-être cette séduction qui pouvait être innocente. C'est ce qui va faire si attractive une petite fille. Moi, je me souviens quand j'ai vu ma fille
qui était extrêmement séductrice, extrêmement féminine. Elle m'a appris à être femme, elle m'a appris à être féminine. Et c'est vraiment, elle était mais charmeuse et ensorceleuse. C'était infernal et effrayant. Et pour moi, à l'intérieur de moi, c'était ça. C'était, waouh, comment je vais pouvoir préserver ça tout en lui donnant des clés pour qu'elle ne se mette pas en danger. Et ça, c'était mon grand challenge. Est-ce que j'y suis arrivée? Est-ce que j'y suis pas arrivée? C'est pas la question là. Mais c'est cette notion que, effectivement, la petite fille, lorsqu'elle est libre et lorsqu'elle est pleinement pétillante, elle est charmeuse, elle est séductrice. C'est donc, nous sommes vraiment dans ce pouvoir séducteur. Et on se rendra compte, entre une petite fille et un petit garçon, que ça va s'exprimer de manière complètement différente. C'est moins puissant chez le petit garçon. La femme est amour, je vous l'ai déjà dit, l'homme est présence. C'est différent. Il n'y a pas la même manière d'aborder les choses. J'aime séduire, me dit Mila. Mais il arrive parfois que la personne face à moi ne m'inspire pas confiance. Du coup, je me referme. Ok, c'est un choix. Très longtemps, dit Christelle, en couple et en préménopause, j'aimerais rendre plus épanouissantes nos rapports et dans mes désirs et mes demandes, je fais peur à mon mari. Quelle posture intérieure je vais avoir à travailler. J'ai du mal à voir ce qui profondément reste à ouvrir et où j'en suis vraiment avec mon mari dans nos relations intimes. Lorsque je cherche à séduire, c'est comme si je quittais mes terres pour me propulser dans les terres de l'autre. Et c'est vraiment cette demande, c'est dis-moi que je suis séduisante, dis-moi que je suis séduisante, dis-moi que je suis désirable, dis-moi que je suis encore désirable, surtout quand c'est la période de la préménopause qui est un très grand passage, dis-moi ça. Et pour l'homme, il se peut que ce soit, waouh, stop it. Et ça, c'est vraiment, ça peut être un rejet plein et entier. Donc, c'est là où, avec la séduction, c'est avoir conscience de commencer à l'intérieur de moi lorsque je séduis. Avoir conscience, ça veut dire de pouvoir accueillir que je séduis. Parce que bien souvent, c'est oh non, mais moi je séduis pas. Bon, non, 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 moi j'aime pas la séduction. Non, ben, j'essaie d'être comme je suis, mais non, non, je joue pas à la séduction. Là, vous l'aurez. C'est vous-même que vous l'aurez. Donc, c'est partir du principe que de toute manière, que vous vouliez ou pas, vous rentrez dans le jeu de séduction. Des fois, il n'y a pas d'enjeu au niveau intime et sexualité, mais ça n'empêche que ça en fait partie. Donc, ce qui est intéressant, c'est un petit peu ce que dit Christelle, c'est de voir qu'est-ce qu'on vous renvoie en face? Qu'est-ce qu'on vous renvoie? Est-ce que, ben oui, je suis souvent avec des hommes et au bout d'un moment, c'est de la violence, ou bien ils me laissent tomber, ou bien c'est waouh, ok. Si vous n'étiez pas avec votre être, vous étiez avec des masques. Donc prenez conscience de vos masques. Donc ça va être, et en même temps, vous vous rendez compte que le fait de pouvoir être séduisante et être simple avec cette notion de séduction, c'est pas facile parce que ça va demander en premier de vous aimer, d'être bien dans votre corps, d'être bien dans votre peau, d'aimer votre corps, d'aimer votre peau et de vous aimer. C'est ce que je vous ai dit dans la première webconférence, c'est ce que je vous ai dit dans la deuxième webconférence, c'est ce que je vous dis dans la troisième. Ça sera vraiment le leitmotiv, le mantra de toute cette année-là. C'est comment pouvez-vous vous aimer avec tout ce que vous êtes. Et comment est-ce que je peux m'aimer avec mes rides? Comment est-ce que je peux m'aimer avec mes petites taches? Comment est-ce que je peux m'aimer avec tout ça? Et non pas en disant, ouais, je fais comme si elles n'étaient pas là. Non, ça parle de moi aujourd'hui. Ça parle des espaces, effectivement, sur mon visage, je montre les espaces qui sont encore dans l'ombre de moi à moi. Les espaces avec lesquels je ne suis pas au clair. Même si j'ai avancé, il y a plein d'espaces pour lesquels je ne suis pas au clair. Mais comment est-ce que je peux être en amour avec moi, avec ça? Ça ne veut pas dire que, ouais, bah d'accord, je m'accepte avec toutes mes ombres et tout ça, et puis je fais un beau paquet, boubi boulga, et puis voilà. Non,
je m'accueille avec tout ça, je me prends dans les bras avec tout ça, et en même temps, comment est-ce que je vais cheminer vers ces pardons? Comment est-ce que je vais cheminer vers ces espaces de mon corps que je n'aime pas? Comment je vais pouvoir les apprivoiser? Donc ça va déjà être ça. Alors, ça commence, il y a plein de questions. Rassurez-vous, j'aime bien répondre aux questions et en même temps, j'ai cette aptitude à pouvoir garder le fil de ce que j'ai envie de dire. Donc, ne vous inquiétez pas, même si je réponds aux questions, je suis le fil et au travers des questions, je sais apporter tout ce que j'ai à vous apporter dans cette webconférence. Quand je suis séduisante et que je séduis, j'ai parfois peur de ce que je crée chez l'autre et je me sens responsable. Du coup, je cherche à contrôler ce qui émane de moi. Pour toi, j'ai besoin d'accueillir ce que je déclenche? C'est une question très très importante que tu poses, Nina. C'est une question très importante. Ce que j'essaie de voir, c'est est-ce qu'on va pas trop loin si je réponds maintenant? Je te la note encore en question, je la garde en question et on y reviendra un peu plus tard. Tu me le rappelles si jamais j'ai pas répondu. Pour y aller quand même pas à pas. Là, tu es presque à l'aboutissement. Donc, le premier élément, c'est ça. C'est comment est-ce que vous pouvez petit à petit vous séduire vous-même. Non pas avec des masques, mais pour moi, vous séduire vous-même, c'est bas les masques devant votre miroir. Comment vous pouvez vous regarder dans les yeux et regarder votre visage et ressentir tout ce que ça vous fait. Et ce que j'ai presque envie de vous dire, c'est quand vous allez vous regarder dans le miroir ce soir ou demain, c'est comment est-ce que vous pouvez ouvrir votre cœur avec une infinie bienveillance pour cette femme, pour cet homme qui est là en face de vous. Si vous êtes un homme, puisqu'il y a des hommes qui sont là. Excusez-moi, messieurs, si je parle aux femmes, c'est vrai que j'ai tellement l'habitude de travailler avec elles. Mais c'est voilà, accueillir la femme, l'homme qui est en face de vous et juste de l'accueillir comme elle est, quoi. C'est, vous rendez compte tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a peut-être souffert, tout ce qu'elle a, d'où elle part. Ça ne veut pas dire qu'il faut être victime avec elle, la plaindre et tout ça, non, mais c'est la reconnaître avec tout ça. La reconnaître et petit à petit, c'est jour après jour, à un moment donné, de pouvoir ouvrir le cœur et vraiment, à un moment donné, lui dire « je t'aime ». Mais en vous touchant avec le cœur, « je m'aime ». Mais c'est pas la même chose de dire « je m'aime » que de me regarder dans la glace, de sentir que je suis en paix avec cette image dans le miroir et de dire à cette femme « je t'aime ». C'est-à-dire que là, c'est vous vous faites votre propre déclaration d'amour. Et comment est-ce que vous pouvez avoir, vous connaissez dans votre vie des espaces où vous êtes dans votre authenticité, la simplicité de votre authenticité. Ben c'est comment est-ce que vous pouvez vous regarder avec la simplicité de cette authenticité. Et comment vous pouvez vous dire « je t'aime » avec cette authenticité-là. Et le recevoir. Et ça, c'est vraiment sentir que vous allez aller vers ça, vous apprivoiser, vous accueillir, vous aimer de plus en plus. Et c'est, je peux m'aimer, même si aujourd'hui, je suis encore en colère sur mes tâches, par exemple. Et je peux m'aimer avec ça. Comment est-ce que je peux m'aimer, même s'il y a des espaces de moi qu'aujourd'hui, j'ai du mal à... Ok, ben je peux m'aimer avec cette difficulté à m'aimer. C'est possible. Il y a un endroit où je peux m'aimer, là où j'en suis aujourd'hui. Et déjà ça, vous vous apportez des signes de reconnaissance, c'est énorme. Énorme. Donc plus vous allez vous apporter ces signes de reconnaissance, moins vous avez besoin que l'autre vous en apporte. Donc moins vous avez besoin d'aller en quémander. Et ça, c'est hyper important. Donc, lorsqu'effectivement, vous avez envie d'être séduisante, vous avez envie de séduire l'autre et tout ça, comment est-ce qu'en premier lieu, vous pouvez vous séduire vous-même et vous trouver vous-même séduisante et du coup, l'asseoir à l'intérieur de vous, quoi qu'il se passe, à chaque mot que je vais dire, à chaque geste que je vais avoir, je vais me séduire. Et c'est ça le jeu.
C'est ça qui est goulayant, c'est ça qui est plaisant. C'est pas forcément de voir le résultat que je crée en face. Parce que là, par exemple, je vous vois pas en face. Je séduis qui? Peut-être que c'est moi. Mais en tout cas, c'est le plaisir que j'ai, moi, à être séduisante ce soir. C'est le plaisir que je savoure. Donc c'est ça. Voilà, il y a plein de questions. Hop, hop, hop. Alors, Emeline, dès que je dois séduire, rentrer dans un jeu de séduction qui a pour finalité d'exciter l'autre, ça me bloque complètement. Il y a une attente. Je ne me sens pas capable. Ça rentre dans quelque chose de contrôle et plus de lâcher prise. Ok. C'est toi qui mets la finalité d'exciter. Pour moi, la finalité, ce que je ressens lorsque je suis séduisante, lorsque je suis séduisante et lorsque je rentre dans ce jeu de séduction, ce que je sens, c'est que j'éveille la vie chez l'autre. J'éveille le pétillant chez l'autre. Je l'invite à rentrer aussi dans ce jeu de séduction, c'est-à-dire d'être avec lui ou avec elle ou avec la personne qui est là, d'être avec son enfant intérieur, d'être avec ce qui pétille, d'être avec la vie. Que tu le traduises comme excitation, ça c'est déjà ton interprétation sur le but que tu donnes à ta séduction. Je me souviens une fois, alors là je rentre vraiment dans l'intime de l'intime. Je me souviens une fois, au tout début de notre relation avec Fabien, où Fabien, à un moment donné, m'a dit eh, « Tu aimes danser. Et si là, tu dansais pour moi? Et si là, tu dansais pour qu'on rentre dans la sensualité, dans la sexualité, dans toute cette notion de séduction, et si tu y allais pleinement? » À l'intérieur de moi, c'était « Waouh, 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 waouh! » J'aime danser, ok, je suis bien avec mon corps, d'accord, mais jusque-là. Et pourtant, j'y suis allée. Et quelque part, c'est la première danse de striptease que j'ai faite, où effectivement, j'étais pleinement avec moi, pleinement avec mon corps, pleinement avec ma féminité, pleinement avec ce corps sexué. Et comment est-ce que petit à petit, j'ai pu l'habiter dans chaque espace, avec les mouvements, et en même temps, c'était pour moi. C'était plaisant pour moi. Je cherchais à être en accord avec ce que je faisais, en accord avec chaque vêtement que j'enlevais, avec chaque geste que je faisais. Il n'y en avait aucun qui était fait pour séduire Fabien. C'était juste pour que moi, je sente que j'ouvre et que je sois en accord avec chaque chose que je fasse et en même temps que je déverrouille mes limites. Mais sans pour cela aller dans de la vulgarité, aller dans des choses qui ne sont pas moi. Mais c'est pas pour ça que je mettais des freins. Et là, pour moi, ça a été un grand pas que j'ai fait de moi à moi en me disant, waouh, je peux m'habiter dans la séduction jusque-là. Donc, c'est un petit peu cette notion-là, Emeline, c'est que va voir ce mot d'excité, parce qu'effectivement, ça rejoint la question de Nina, de qu'est-ce que je provoque chez l'autre et qu'est-ce que je vais en faire. Et là, tu te rends bien compte que tu traduis séduction par excitation. Moi, je traduis séduction par être pleinement vivant. Est-ce que je cherche à vous exciter là? Non. Peut-être que j'en excite certaines ou certains, j'en sais rien, mais c'est pas de mon histoire. J'ai pas ça à l'intérieur de moi. En revanche, j'aurais la même attitude si c'était un homme, si c'était Fabien qui était en face ou éventuellement un autre homme ou autre. Ben je serais vivante de la même manière. Je m'adresserais juste à quelqu'un d'autre. Mais je ne vais pas chercher plus l'excitation. Et là, c'est comment est-ce que tu peux vraiment la finalité de la séduction, c'est déjà toi. Comment est-ce que tu peux te séduire dans ton jeu de séduction plutôt que d'aller te projeter vers l'autre? Parce que quand tu séduis pour créer quelque chose chez l'autre,
C'est déjà trop tard, tu es dans la tente, tu es dans tous ces espaces-là, c'est-à-dire que tu as déserté tes terres, donc tu n'es plus gardienne de tes terres, et effectivement, à ce moment-là, tu ne sais pas ce qui va se passer, et ça peut être spolié, souillé, j'en sais rien, attaqué, il peut y avoir plein de choses puisque tu n'y es plus, tu n'es pas reine sur tes terres. Alors le béaba, ça sera comment est-ce que je deviens reine? Séduisante. Aurélie. Lorsque le masque, la façade tombe et que le partenaire s'en est lassé et que ça a créé une rupture de l'intimité, est-il possible de se séduire à nouveau? Comment être face à quelqu'un de très fermé et qu'on est finalement un peu seul dans la séduction? Écoute, alors déjà, lorsque le masque, la façade est tombée, c'est un petit peu ce que j'explique, c'est que si tu es avec une façade, avec un masque, ça va finir par te lasser et ça va finir par le lasser. Donc ça va tomber. Effectivement, il peut y avoir rupture parce que une fois que c'est bas les masques, on ne sait pas forcément qu'est-ce qu'il y a derrière. Et en même temps, en rendant quelque chose de plus vaste, mais quand même, je finis ma phrase, en même temps, lorsqu'il y a attraction de l'un vers l'autre, c'est que c'est ce qui est derrière le masque qui attire. Ça, c'est important. Et c'est pour ça que le fait qu'on s'accroche à nos masques, au bout d'un certain temps, ça fatigue l'autre. C'est là-dessus qu'on va venir cogner. Mais là, c'est tous les autres jeux, ce sont les jeux d'ego et les jeux de toutes les histoires de relations, de couple et autres. Si jamais vous avez envie d'aller beaucoup plus loin sur cette relation de couple, sur tous ces jeux-là, avec Fabien, nous allons lancer un challenge cet été du 15 juillet au 15 août. Sur effectivement les nouveaux couples ou comment aller du couple duo, une nouvelle manière d'exprimer, de vivre en couple, de vivre le couple. Donc voilà, il y aura ces éléments-là. Là, si effectivement tu as conscience qu'il y avait un masque ou une façade, c'est que tu ne t'es pas séduit de toi. Va te séduire dans ton authenticité et à ce moment-là, tu ne t'en lasseras jamais. Il n'y a pas de masque, il ne peut pas tomber. C'est-à-dire que tu vas te rendre compte que tu évolues à chaque fois, que devant ton miroir, ce ne sera jamais la même femme. Elle sera à chaque fois plus grande. Elle aura des choses, elle sera riche de la journée de la veille. Il y a déjà quelque chose de différent. Donc c'est cet élément de la vie qui se renouvelle tout le temps. Donc il est toujours possible de se séduire et on ne s'en lasse jamais, Aurélie. Si tu te lasses de te séduire, c'est que tu cherches des artifices. Comment être face à quelqu'un de très fermé et qu'on est finalement un peu seul dans la séduction? Alors là, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu cherches à être séduisante pour créer des choses chez l'autre, c'est perdu d'avance. Quand tu es toi vivante, dans ton plaisir à toi, juste pour toi, que tu te séduis et que tu t'as pas besoin de le dire en disant oh qu'est-ce que je me sens belle aujourd'hui, non tu l'es, t'as pas besoin de le dire, tu l'es et ça rayonne de partout. Je connais pas un homme qui résiste quand c'est ça. Je connais pas un homme qui résiste, un homme qui va pas waouh s'ouvrir. Dès l'instant où il va se fermer, c'est que tu as des intentions cachées et que du coup tu n'es plus là. Donc c'est effectivement c'est des facettes qui vont venir empiéter sur son territoire ou autre. Donc lui, sa manière de faire, c'est de se protéger. C'est vraiment délicat. Comment est-ce que lorsque je cherche à séduire l'autre, c'est perdu d'avance. Je n'y suis pas. Je cherche à me séduire et je me séduis. Et le résultat que ça a, c'est que ça a toutes les chances de séduire l'autre. Mais ce n'est pas ce que j'ai cherché à provoquer. Donc, c'est ça qui va être extrêmement délicat. C'est arrêter de chercher à créer quelque chose chez l'autre. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Parfois, ne sommes-nous pas héritières d'un inconscient collectif et ou transgénérationnel qui génère en nous des peurs d'être agressées quand on est séduisante? Bien sûr, c'est ce qui m'a valu pour ma part de porter un masque neutre pendant des années, des années, des années. J'en ai encore des traces sur mon visage, mais si vous regardez, ne serait-ce que
les premières formations que j'ai faites, les premières web conférences que j'ai faites, des choses comme ça, j'ai encore des masques. Et petit à petit, je me suis démasquée parce que petit à petit, je me suis rapprochée de moi. Petit à petit, je me suis séduite de plus en plus et que je suis de plus en plus en joie, en joie avec ce jeu-là. Donc, effectivement, il y a toute cette peur d'être agressée. Et là, ça peut être dans nos histoires, dans notre transgénérationnel. Dans l'inconscient collectif, ça peut effectivement être tous ces espaces-là. Je ne peux être agressée que lorsque je ne suis pas reine sur mes terres. Lorsque je ne suis pas reine sur mes terres, ma gardienne n'est pas là. Et je n'ai pas le cœur ouvert. Masculin, féminin. C'est vraiment ça, c'est hyper important. Dire que le masculin, j'habite l'intérieur de mon corps, la totalité de mon corps. Et lorsque je vous invite à vous aimer, c'est ça, c'est de sentir que vous habitez pleinement votre corps, toutes les cellules, vous êtes avec elles, ce qui fait que personne, il n'y a pas la place pour la moindre agression. C'est Monica Bellucci, quand effectivement, cette femme qui est rayonnante, qui règne sur ces terres et qui peut des fois être dans les défilés et autres, quand au festival de Cannes ou autre, ben, elle est nue sous ses vêtements. Et on le sait. Et ça se voit sans que ce soit outrancier. Et il y a plein de paparazzi qui, à ce moment-là, ils éteignent leurs appareils photo. Ils se disent non, c'est trop beau. Je me souviens, même si c'était pas du même, pas qu'elles étaient de la même manière sous leur robe, hein, mais avec une formation de femme justement où je leur apprenais à être femme launa, reine sur leur terre, et où à la fin de la formation, je les emmenais dans le beau gros village, la petite ville d'à côté. C'était en plus un jour de marché, et je leur avais demandé de s'habiller, d'être belle, de se sentir belle en robe et belle. Et quand elles allaient s'habiller et autres, j'aurais dit hop, hop, hop. Et pour moi, c'est rien en dessous. Donc elles étaient comme Monica Bellucci à ce niveau-là. Et effectivement, je les ai fait défiler dans la rue. Dire que moi, je savais que j'étais gardienne de tout cet espace-là. J'étais responsable quelque part de ces femmes-là. Que je leur avais appris à habiter pleinement leur terre et à rayonner tout en étant pleinement à l'intérieur de leur corps, quoi. Mais elles étaient mais fabuleusement belles. Les gens s'arrêtaient. Et il y a des hommes qui ont effectivement, je me souviens d'un grand-père qui disait à son fils, regarde, c'est ça une femme. Et il y avait tellement d'admiration. Un jeune, il devait avoir près la trentaine, qui avait un peu bu et autres, et qui, à un moment donné, est passé pas loin, et il était là. Et au départ, moi, c'était oh, qu'est-ce qu'il va y avoir de ce côté-là, quoi? Et il était là et il disait, mais oh, qu'est-ce que vous êtes belle, c'est beau à voir. Et en même temps, c'est arrivé deux fois sur, je sais pas, il y a peut-être une centaine de femmes que j'ai amenées, donc il y en a eu deux pour qui c'est arrivé. Il y en a une fois qui s'est fait accoster et une autre fois qui a eu une réflexion désobligeante. Et toutes les deux, je les surveillais particulièrement parce que je savais qu'elles pouvaient très facilement glisser de la façade à l'état ou de l'état à la façade. Très très facilement. Ben, ça n'a pas manqué. À chaque fois, il y a eu un homme qui a, par quelque chose, tuc, qui leur a signalé, Eh oh, t'es plus dans ton état, tu es dans ta façade. C'est ça qu'il leur a dit. C'est hyper précieux quand un homme vous fait cette remarque-là, même si c'est pas comme ça qu'il le dit, même si peut-être qu'il vous dit sale putain ou j'en sais rien, n'importe, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas avec votre être. Parce que si vous êtes avec votre être dans votre état, ça viendra pas, ces mots-là. Donc, c'est là où le fait effectivement d'arriver à l'intérieur de soi jusque-là, et des fois, ça m'arrive de dire, si tu ne t'aimes pas et que tu cherches à séduire, tu te mets en danger. Et ça, je l'affirme. Parce qu'effectivement, tu vas chercher à ce que l'autre t'aime, mais toi, tu n'y es pas.
Donc, à ce moment-là, l'autre, il va détourner les choses. Et peut-être que ça peut être très plaisant au début, mais ça va mal finir. C'est des jeux qui finissent mal. C'est des jeux où quand ça met bas les masques, ça fait mal. Donc, effectivement, et là, si tu veux, c'est comment est-ce que je vais pouvoir gagner en confiance à l'intérieur de moi et jouer déjà, me séduire moi-même. Et puis après, ça va être de pouvoir commencer à être séduisante comme ça dans des espaces où il n'y a pas beaucoup de danger. Et ça va être déjà d'apprivoiser sa sensualité. Sa sensualité, c'est-à-dire que quand effectivement, quand vous marchez, c'est comment est-ce que je vais accueillir ma démarche, le mouvement de mes hanches, le mouvement, la sensation de mes cuisses, mes seins si je suis une femme, et l'homme, ça va être d'autres éléments, ça va être sa puissance, comment est-ce qu'il va pouvoir savourer effectivement tout, que ce soit son sexe, que ce soit ses muscles, que ce soit tous ces espaces-là. Ou les muscles qu'il désirerait avoir, mais il n'a de toute manière pas la même musculature qu'une femme. Donc c'est pour ça que je parle des muscles pour l'homme. Donc c'est ces éléments-là. Comment est-ce que je vais pouvoir savourer ça? Ça peut être simplement en marchant dans mon jardin. Ça peut être en allant faire des courses. Mais c'est déjà de moi à moi. C'est-à-dire que si vous êtes là en train de marcher en regardant mais comment est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qu'on pense de moi et tout ça, oh, c'est mort, vous n'y êtes pas. C'est de moi à moi. Vous n'attendez pas le regard de l'autre, vous n'avez pas peur du regard de l'autre, éventuellement vous ne regardez pas le regard de l'autre. C'est de vous à vous. Mais effectivement, c'est un chemin, ça ne se fait pas comme ça en un jour. Christelle, c'est vrai, à l'extérieur, sans le vouloir ou le reconnaître sans doute, je me fais draguer, mais pas comme je voudrais, et ça m'agace. Je cherche la subtilité, la résonance dans les interactions. Quelle action intérieure pour que l'on soit sur la même longueur d'onde dans nos désirs de couple à partager? Alors, bien souvent, moi, dans toute mon expérience de vie de couple, et j'en ai une relativement longue, j'ai toujours remarqué que ce que je déplorais chez l'autre, c'est quelque chose qui n'était pas chez moi. Ce que j'attendais de l'autre, c'est quelque chose que je ne m'apportais pas. Donc là, ce que je t'invite, c'est effectivement déjà de pouvoir t'ouvrir à la manière dont on te drague. Qu'est-ce que ça vient déranger à l'intérieur de toi? Ça vient toucher des zones qui sont fermées, des zones qui sont bloquées, des zones où que tu n'habites pas. Donc ça ne veut pas dire de répondre à cette drague, parce que peut-être qu'elle te met en danger, mais tu t'en souviens des fois où tu as été dragué comme ça. Donc c'est comment est-ce que tu peux tranquillement chez toi faire revenir ça et en disant, tiens, où est-ce que ça vient toucher chez moi? C'est quoi? Ça montre quelque chose qui n'est pas en place à l'intérieur de moi. Donc tant que ça, ce n'est pas en place à l'intérieur de moi, je ne peux pas aller vers la subtilité, la résonance dans les interactions. Parce que moi, j'y suis pas, à cet endroit-là. Tu comprends le jeu? C'est quand l'autre te touche sur des espaces qui te dérangent. Ah, super, merci. Je vais aller voir ce que j'ai à transformer par rapport à ça. Et après, c'est toujours pareil. C'est lorsque je suis en attente de quelque chose chez l'autre, je ne suis pas ouvert à ce qu'il peut m'apporter. Je me répète, lorsque je suis en attente de quelque chose chez l'autre, je ne suis pas ouverte à ce qu'il peut m'apporter. Lorsque je suis en attente de quelque chose, je ne peux pas rencontrer l'autre. Il n'y aura pas rencontre parce que moi, je ne suis pas là. Si je suis en attente, je suis en projection, je suis dans le futur, je ne suis pas sur mes terres. Donc, comment voulez-vous qu'il y ait rencontre d'absence? Je ne suis pas présente. Comment faire quand on est séduisante, quand on séduit et que l'autre vous fait des propositions et qu'il vous traite d'allumeuse? Alors, ça rejoint la question de Nina de tout à l'heure. Donc, on y arrive petit à petit. Je vérifie si c'est le moment d'y aller. On va y aller puisque de toute manière, il y a de plus en plus de questions par rapport à ça. Je vais reprendre la question de Nina. Quand je séduis
J'ai parfois peur de ce que je crée chez l'autre. Je me sens responsable, du coup je cherche à contrôler. Ok. Peur de ce que ça crée chez l'autre. Donc, c'est là. Où ça va être primordial que lorsque vous rentrez dans le jeu de la séduction de vous à vous, on est bien d'accord, et qu'il y a effectivement un autre. Ça veut dire que vous jouez au jeu de séduction de vous à vous et vous sentez que ça ricoche, c'est l'autre, c'est-à-dire que ça crée un effet. Et là, effectivement, c'est là où on va rentrer dans le jeu de la séduction, c'est comment est-ce que le fait que lui ou elle active son vivant, ça va soutenir le fait que je puisse amplifier mon vivant, et ainsi de suite. Et c'est ça le jeu de la séduction, quand on est dans des états de séduction. Et c'est là où ce qui va être primordial, et c'est ce que sent l'homme lorsque il va me traiter d'allumeuse, c'est lorsque, à l'intérieur de moi, je ne vais pas jusque dans mon sexe par rapport à ça. C'est qu'à l'intérieur de moi, je ne suis pas claire avec mon désir, que je ne suis pas claire avec mes limites. Dire que je peux être pleinement séduisante en étant claire à l'intérieur de moi que je m'éclate dans ce jeu de séduction. En revanche, il n'y a rien qui est disponible à autre chose. Ça, c'est si c'est à l'intérieur de moi, si c'est ma limite, si c'est le cap que je me pose. Si je me dis, ok, voilà, avec cet homme par exemple, ok, je vais rentrer dans le jeu de la séduction. En revanche, ma limite, elle est peut-être aller boire un verre. Mais il n'y a rien d'autre. Et vous voyez l'impétuosité avec laquelle je pose ça, c'est-à-dire que je ne ris pas avec ça. Je ne fais pas semblant avec ça. Parce que l'homme, ce qu'il va sentir, c'est la limite que je me suis posée. Et est-ce que je la tiens, cette limite? Et est-ce que je la tiens dans toutes mes cellules? Et si c'est une limite que je me suis posée dans ma tête, mais pas dans mon cœur, ou si c'est une limite que je me suis posée dans ma tête et pas dans mon sexe, il va aller plus loin juste pour me dire que ma limite n'est pas posée jusque-là. Donc, quelque part, il y a entorse. Et effectivement, ça veut dire que dans ce jeu de séduction, l'élément qui n'est pas clair à l'intérieur de moi, c'est lui qui va s'allumer le plus. Donc je suis une allumeuse. Il a raison. Parce que je ne suis pas claire avec moi. Est-ce que je cherchais juste à voir que j'étais désirable, que j'étais désirée? C'est possible. En revanche, est-ce que je peux être claire à l'intérieur de moi? De cette notion de j'ai envie, effectivement, de sentir que je suis désirée. Mais je ne vais pas jouer de ça. Et là, ça vient toucher quelque chose de très, 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 très important qui est à l'intérieur de nous, femmes. Là, je parle aux femmes. Mais auxquelles les hommes sont très sensibles. C'est qu'à l'intérieur de nous, dans notre puissance de séduction, dans notre puissance sexuelle, là j'en parle par rapport à la séduction, mais ça sera exactement la même chose des fois par rapport à l'orgasme. Il se peut que quand on parlera de l'orgasme, j'aborde à nouveau ce point-là. Ce sont des mémoires de matriarcat que nous avons. Nous avons, avant les 3000 ans de patriarcat, nous avons 30 000 ans de matriarcat. Et matriarcat, ça veut dire que par mon pouvoir de séduction, j'ai vraiment pu détruire des hommes. Et j'ai pris plaisir à détruire des hommes avec mon plaisir de séduction. Ça, c'est la mémoire du matriarcat. J'ai ça dans mes veines. Le fait qu'il y a ce jeu qui est très snake, voyez-le dans les films, le nombre de fois où j'en sais rien, les pires bandits ou autres, ceux qui sont hyper habiles, ben, à un moment donné, ils se font avoir par la puissance séductrice d'une femme. Oui, ça, on joue à un jeu avec cette puissance séductrice. Et là, c'est un jeu dans lequel j'y vais avec mon matriarcat, dire cette part qui va chercher à manipuler l'autre, cette part qui est snake et qui va chercher à attraper l'autre, qui va chercher à étouffer l'autre, qui va chercher à
mettre à mort l'autre. Il peut y avoir tout ça. Et ça, c'est hyper important qu'on le repère à l'intérieur de nous. Parce que ça fait mal. Et c'est ce qui a amené les hommes à fermer leur cœur. Parce qu'on a aussi ça dans nos mots. Lorsqu'effectivement, on cherche à parler de manière très correcte, que c'est tout doux, que c'est tout miel, que c'est tout, socialement correct et tout ça, et qu'à un moment donné, psic, on a un petit truc qui, psic, qui tape au cœur. Et on sait que ça tape au cœur. Ah, et ça fait plaisir. Et on a tout ça à l'intérieur de nous. Et tant qu'on n'a pas repéré ça, eh bien, ça va être des jeux de séduction qui sont très dangereux. Parce qu'effectivement, l'homme peut répondre avec toute sa puissance, toute sa violence, verbale ou physique. Donc, c'est hyper important ce que tu soulèves, Mila, puisque c'est toute cette question-là. Donc, c'est de reconnaître, j'ai envie de dire, que la séduction à l'intérieur de moi, la séduction, c'est pour ça que je dis sans masque, cette séduction du matriarcat, elle va mettre des masques. Puisqu'effectivement, elle va séduire dans un but particulier. Et c'est là où le fait de séduire avec votre vulnérabilité, avec votre cœur grand ouvert, lorsque j'ai dit le roi et la reine, il y a effectivement le roi avec toute son autorité et la reine avec un grand cœur ouvert. Et c'est là où, à ce moment-là, je dirais qu'il y a de la pureté dans ta séduction, il y a la pureté de ton être. Et à ce moment-là, ça ne peut pas allumer. Ça va allumer la vie en face. Et qu'éventuellement, à ce moment-là, si effectivement, si toi tu es en accord avec tout ce que tu fais, si effectivement tu es en accord avec tout ce que tu fais et que tu es bien avec, et que l'autre te traite d'allumeuse, quelque part, ça lui appartient. Ça n'a pas à t'affecter, ce n'est pas parce que tu t'en es coupé. C'est lorsqu'on te dit ça, c'est vérifier à l'intérieur de toi. Elle est où la part allumeuse, la part qui n'était pas claire? Si tu vérifies à l'intérieur de toi et que tu dis non, honnêtement, et là, le honnêtement est hyper important, honnêtement, de moi à moi, je suis claire. À ce moment-là, si tu veux, il se peut que pour l'autre, ce soit un moyen de défense parce que c'est la seule manière pour lui qu'il a de pouvoir recevoir la puissance séductrice que tu lui envoies, que tu dégages, ça serait plus exact. Et intéressant, parce que si c'est que tu lui envoies, c'est est-ce que tu lui as envoyé cette part séductrice? Parce que si tu lui as envoyé, effectivement, tu peux être une allumeuse. C'est vraiment différent entre je suis séductrice et je cherche à être séductrice. Je cherche à séduire. Florence, je n'aimerais pas du tout faire un spectacle pour quelqu'un. Mais déjà, fais un spectacle de toi à toi. Moi, au départ, on m'aurait dit ça, j'aurais dit absolument pas. Et en même temps, si tu veux, ça a été un moment des plus puissants pour moi, des plus précieux, parce que ça m'amène, ça a été le point de départ de comment je peux être aujourd'hui. Je suis naturellement séduisante. J'adore me maquiller, être sexy et jolie. Je pense pas que c'est un masque, mais j'attire des mecs qui me poussent à cache-cotte, à cache-cache, séduisante, car je n'ai pas envie de me mettre en danger et de passer mon temps à me montrer dans ma place de reine. Comment trouver l'équilibre? Alors, moi, ce que je t'invite, Elisabeth, c'est joue à ne pas te maquiller, à t'habiller simplement, sans forcément être sexy, des choses dans lesquelles tu te sens bien à l'aise, le plus simple possible. Et c'est comment est-ce que, avec ça, dans ton plus simple apparat, tu vas pouvoir effectivement te séduire. Dans ton plus simple apparat. Là, c'est déjà bas ces masques-là. C'est-à-dire que
Je peux, si tu veux, moi effectivement, aujourd'hui, je peux me maquiller si je veux. Je peux mettre des hauts talons. Je peux mettre une robe sexy ou des choses comme ça, bien sûr. Parce que je sais que je peux aussi bien séduire sans. C'est. Donc, le maquillage ou les hauts talons ou tout ça va être un plus, mais ce n'est absolument pas indispensable. Donc, c'est ça que je t'invite déjà à vérifier. Comment est-ce que tu peux arriver à séduire dans ton plus simple apparat et avec le plus de simplicité à l'intérieur de toi? Sinon, il n'y a pas d'authenticité. Et c'est là où, effectivement, ce que tu récoltes, c'est ce que tu sèmes. Donc, c'est là où, ouais, je te renvoie encore à ça. Si tu restes chez toi, reine sur tes terres, avec toi, en accord avec ce qui émane de ton corps, tu n'es pas en danger. Mais si effectivement tu te sens en danger, c'est que tu n'es pas là. Donc n'y va pas dans les espaces où tu te sens en danger. Et là, où effectivement, si tu fermes, c'est-à-dire que celles qui ont peur d'être séduisantes, celles qui ont peur de séduire, celles qui ont peur de ce qui est créé chez l'homme, simplement lorsqu'elles sont, elles vont fermer des choses. Dès l'instant où vous cherchez à contrôler, à fermer des choses, l'homme va s'engouffrer là-dedans. La femme est un joyau qui est fait par essence pour rayonner. Désolée! J'y peux rien, c'est comme ça. Et pour un homme, le plus grand sacrilège qui puisse exister, c'est qu'une femme enferme ou dévoie, ou dévoie ce joyau. Et à ce moment-là, il va effectivement pas forcément prendre des gants. Pour dire, mais t'es pas ça, toi. Et ça va être de la violence, et ça va être des choses, tout ce qu'on ne veut pas. Dès l'instant où l'homme est agressif, par les mots, par les gestes, par les faits, par peu importe, avec nous, c'est effectivement, il ne touche que nos masques, que nos façades. Et il nous dit que nous ne sommes pas ça. Et il nous donne une possibilité de revenir à notre être. Il aurait d'autres manières de le dire, je le sais. Bien sûr. Mais c'est comme ça. Donc, c'est vraiment cette notion-là. Quand vous fermez, vous vous mettez en danger. Quand vous fermez des espaces de votre séduction. Donc, quelque part, c'est trop tard. Je suis désolée, il ne fallait pas venir à cette webconférence. Mais là, que vous cherchiez à jouer de votre séduction ou que vous cherchiez à cacher cette séduction ou à limiter cette séduction. Tout ça va attirer ce que vous ne voulez pas. Donc, le plus simple, mais ce n'est pas le plus facile, c'est effectivement de revenir à vous, à votre authenticité, et petit à petit d'enlever les couches d'artifice, les couches égotiques qui vous amènent à mettre des façades. Qui vous amène les couches égotiques, c'est je cherche des signes de reconnaissance à l'extérieur. Et les signes de reconnaissance que vous cherchez, c'est souvent de la reconnaissance, de l'amour, du fait que vous êtes quelqu'un qui est une femme qui est belle, qui peut être attractive, des choses comme ça. Mais ça n'empêche que les signes de reconnaissance que vous allez recevoir, ce n'est pas forcément ce que vous cherchez. Et que le fait qu'on te dise t'es une allumeuse, c'est un signe de reconnaissance de ton existence. C'est mieux que rien pour toi. À toi de voir si à ce moment-là, tu le prends en disant non, je suis pas une allumeuse, ça veut dire que quelque part à l'intérieur de toi, si ça t'affecte, il y a une part de toi qui te juge comme une allumeuse lorsque tu es dans ta séduction. Sinon, tu n'aurais même pas entendu le fait qu'on t'ait dit ça. Tu l'aurais même pas entendu, pas parce que tu en es fermé, mais parce que effectivement, c'est il n'y a pas d'écho à l'intérieur.
Donc c'est vraiment cette notion-là, c'est que plus vous fermez, plus vous vous mettez en danger. Je ne sais pas si je réponds à vos questions, je vous amène à vous en poser bien d'autres. Il y a toute une autre webconférence, si jamais vous le souhaitez. Nina, je vais t'inviter à mettre le lien de celle que j'ai faite en 2018, je crois, sur être séduisante, dans laquelle j'ai dû aborder les choses complètement différemment. Donc, ça peut aussi être un complément. Voilà, et puis sinon, la sexualité est au centre de notre être-té. C'est ça qu'on aborde des fois avec Fabien quand on parle à deux de la sexualité. C'est effectivement, c'est aussi la base et c'est le cœur de la relation et c'est une mise à nu dans la relation de couple, dans la relation à l'autre et c'est très très délicat parce que effectivement, on se met à nu à cet endroit-là. C'est-à-dire, ça demande à ce qu'on soit le plus possible dans notre authenticité. Du coup, ça vous ramène à qui, non pas qui je suis, de chercher à qui je suis, mais comment je suis avec moi, c'est quoi ma relation avec moi. C'est pour ça, cette notion de séduction du début, de est-ce que je m'aime, de tous ces espaces-là, c'est jusqu'où je m'aime. L'autre. Lorsque je me rends compte que je séduis l'autre, j'ai tendance à complètement changer d'habitude en me refermant et en devenant froide, voire agressive, pour éviter d'aller trop loin et d'avoir mal ou être blessée émotionnellement. Effectivement. Pendant, je dirais presque 30 à 40 années de ma vie, j'étais extrêmement timide. Extrêmement timide. Dire que j'ai passé toutes mes récréations de primaire, secondaire, toutes mes récréations, quasiment à chaque fois seule, contre-impliquée. Pour moi, c'était impossible de rentrer en relation avec quelqu'un d'autre. Je ne savais pas comment faire. J'avais peur. Et je ne savais pas comment faire. Donc, j'étais une statue de glace, d'où ces masques que je mettais. Et en même temps, ben, j'avais quand même une présence à l'intérieur de moi qui faisait que je mettais à distance, j'impressionnais. On disait que j'étais hautaine. Un peu comme si je me situais au-dessus ou n'importe, mais pour moi j'étais effectivement dans un autre espace, dans un autre monde. Et si tu veux, c'était un petit peu ce que tu dis, Aurélie, c'était cette notion d'avoir peur de créer des choses. C'est, en même temps, j'adorais danser, j'ai toujours dansé. Donc, dans la danse, par contre, je ne pouvais pas faire autrement que de m'éclater en dansant. Par contre, j'avais ce masque neutre pour effectivement, à l'intérieur de moi, c'était, mais c'est pas de ma faute si je séduis, quoi. C'est pas de ma faute si je suis belle. C'est pas de ma faute si je danse bien. Il y avait tout ça. Et dès que quelqu'un pouvait me dire ou me faire voir qu'il appréciait la manière dont je dansais, j'avais cette réaction de me refermer immédiatement parce que non, je sais pas quoi faire de ça. Et du coup, ça m'a amené petit à petit à me simplifier. C'est-à-dire que j'ai commencé à baisser les masques de moi à moi, non pas dans des jeux de séduction tout de suite, mais de moi avec des proches ou avec des personnes avec qui je me sentais à l'aise, mais déjà simplement de moi à moi. Les gens avec qui que j'accompagnais, des choses comme ça, dans des situations dans lesquelles il n'y avait pas d'enjeu au niveau émotionnel ou des choses comme ça, pas trop d'enjeux à ce niveau-là. Et du coup, petit à petit, je suis revenue vers moi. Et c'est en revenant vers moi que j'ai habité l'espace à l'intérieur de moi. Et à ce moment-là, je n'ai plus eu peur. Je n'ai plus peur de ce qui pouvait émaner de moi. Je ne sais pas si tu comprends cet élément-là, Aurélie. C'est comme si, parce que je ne suis pas avec moi, je vais à la périphérie et je vais fermer, je vais bloquer dans tous ces espaces-là parce que j'ai peur de l'interaction. C'est parce que j'habite pas ma maison. Et du coup,
plus je vais venir habiter ma maison, donc mon corps, donc amener mon être à l'intérieur de mon corps, plus je vais l'habiter, plus je suis pleine. Et moins je vais avoir peur qu'on puisse l'agresser, moins avoir peur d'avoir mal ou de tous ces espaces-là. Et ça va vraiment avec ce, quand tu dis avec cette notion de éviter d'aller trop loin et d'avoir mal ou être blessé émotionnellement. C'est toujours, si tu veux, c'est important de sentir que lorsque tu es blessé émotionnellement, lorsque tu as mal, c'est quelque chose qui va te faire évoluer, c'est quelque chose qui va te faire grandir. Moi aujourd'hui, si tu veux, il y a plein d'espaces effectivement qui ont été extrêmement difficiles que j'ai pu traverser. Il y a des choses au niveau émotionnel qui sont aussi des fois très hardes. Et si tu veux, c'est comment est-ce qu'à ce moment-là, je me rassemble et comment est-ce que je peux garder cette royauté à l'intérieur de moi pour traverser ça. Et à chaque fois, si tu veux, si je m'ouvre à ce qui est blessé à l'intérieur de moi, ça me permet de grandir et de découvrir une part de moi que je ne connaissais pas et que donc je désertais, une part de moi que j'étais en train d'étouffer, de faire mourir. Or, on a de moins en moins le choix. Aujourd'hui, ça va taper de plus en plus fort parce qu'on est rentré dans l'ère du Verseau. On a de moins en moins le choix que de revenir vers soi et d'être reine sur ces terres. Et c'est vraiment ça, Aurélie. Je t'invite à peut-être mettre du plus soft dans tes relations. C'est déjà, pour ne plus être seule, faut déjà être avec soi. Et c'est une fois que je suis avec moi que je vais pouvoir rencontrer l'autre. Tu viens de me donner la réponse, dit Christelle, c'était il y a bien longtemps, hein, en revenant à s'habiter pleinement. Bon, je me répète. Et ça, je ne sais pas encore comment faire. Le cœur a plusieurs portes pour cela. Alors, c'est amusant que tu parles du cœur, parce que ça fait un petit moment que ça me démange. Là, aujourd'hui, j'apprends aux femmes à revenir vers elles et à s'habiter pleinement. Et la manière que j'ai trouvée, c'est effectivement qu'elles viennent avec leur cycle, le cycle de la femme, qu'elles épousent le cycle de la femme. Et dans ce cycle-là, ça les amène régulièrement, tous les mois, à cette royauté, à s'habiter pleinement. Et à chaque fois, c'est un peu plus avec tous les espaces. Ça amène à harmoniser le masculin et le féminin, à poser tous ces espaces-là. Donc si effectivement vous avez envie d'aller là, moi, ce que je vous invite, et Nina, je vais t'inviter à pouvoir mettre ça, c'est effectivement aller visiter le monde de l'Auna, qui est ce monde que j'ouvre. Donc, vous allez atterrir sur le site. Il est beaucoup moins riche que le signe d'être femme parce qu'il vient juste de naître. Et en même temps, ben, vous pourrez voir, entre autres, dans choisir votre place, où est-ce que vous avez envie de vous situer. Et au cœur de l'Auna, c'est là où je suis présente et où vraiment je suis avec les femmes et je les accompagne dans tout ce qu'elles font. Et là, en fin de semaine, je leur fais une conférence sur l'ego pour vraiment arriver à ce qu'elles aillent vers leur être et ce qu'elles soient des reines. Donc là, tout, pour moi, c'est le chemin que j'ai trouvé, le chemin le plus efficace que j'ai trouvé pour les femmes, c'est d'aller vers leur cycle. Et effectivement, ça, c'est tout un chemin, et en même temps, moi ce que je vous invite par rapport à ça, c'est, et comme le dit Christelle, il y a plusieurs portes pour cela. C'est-à-dire que aujourd'hui, je vais être très à l'aise avec la séduction, avec le jeu de séduction, et je dis ça, et en même temps, je me dis, si je rencontre quelqu'un qui m'impressionne au niveau de son être-té, au niveau peut-être de sa célébrité, au niveau de, j'en sais rien, ben, où j'en serais à ce niveau-là par rapport à cette part séductrice à l'intérieur de moi? Est-ce que je serais à l'aise? Est-ce que j'en sais rien, quelque part, parce qu'il va y avoir un gap entre les deux qui peut être, que je vais peut-être considérer comme tellement important que, waouh! Wow,
Je vais peut-être retomber dans des espaces que je connais bien. Je n'en sais rien, ce n'est pas acquis. C'est là où il y a différentes portes, c'est-à-dire que je peux ouvrir mon cœur aujourd'hui jusque-là et j'ai l'impression que j'ai un cœur grand ouvert, mais en même temps, il y a un moment donné où je me rends compte, tiens, ah ouais, là mon cœur n'est pas complètement ouvert, j'ai à l'ouvrir encore plus. Ça ne veut pas dire qu'il était fermé avant, c'est qu'il était ouvert jusque-là. Et que petit à petit, je vais apprendre à l'ouvrir de plus en plus. Alors, je vais continuer à chercher les questions. Petite Armelle, petite, j'étais très charmeuse et j'ai été abusée. Je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais du coup, maintenant, la séduction me mettrait mal à l'aise. Comment dépasser ça? Quand tu étais petite, Armelle, tu étais très charmeuse. Et c'est ce que je disais, c'était ta nature. C'était une charmeuse innocente. J'ai pas envie de dire innocente, mais oui, il y avait de l'innocence dans ta manière de charmer. Et cette innocence, tu l'as perdue parce que tu as été abusée. Et là, si tu veux, il y a effectivement, quand tu étais petite, normalement, il devait y avoir des grands pour te protéger. Et pour une raison X ou Y, ils n'ont pas été là. Aujourd'hui, tu es grande. Et c'est cette petite qui a encore peur d'être abusée si elle charme avec toute son innocence. Cette petite qui n'a plus confiance dans les grands parce que les grands n'étaient pas là au moment où ils auraient dû être là. Mais aujourd'hui, Armelle, tu es grande. Tu es grande, tu as baroudé, tu as traversé plein de choses. Et tu en es sortie la tête haute, même si tu aurais pu préférer à certains moments en sortir autrement ou traverser autrement, ça n'empêche que tu l'as fait. Tu es riche de tout ça. Et que du coup, cette petite qui est charmeuse et qui a peur d'être abusée, tu peux la prendre dans tes bras et lui dire, écoute, là aujourd'hui, je suis grande. Et en tant que grande, plus jamais je ne t'abandonnerai. Plus jamais je ne te laisserai être abusée. Et ça, c'est en tant que grande que tu peux prendre ça. Ça veut dire que lorsque tu sens ta petite qui a peur, va vérifier comment tu es avec toi, comment tu es dans la relation qu'il y a en face. Est-ce que tu es au clair? Est-ce que tu es OK? Et si ce n'est pas le cas, eh ben n'y va pas. Simplement. Va d'abord, quelque part, tu fais marche arrière, tu reviens avec toi et va renforcer la puissance de ta grandeur. Et aujourd'hui, peut-être que tu peux être avec ta petite et être dans la séduction jusqu'à un certain niveau. Comme moi, quand je te disais que je suis très à l'aise jusqu'à un certain point, aujourd'hui, je ne connais pas de limite à ça. Parce que je ne l'ai pas rencontré, ça ne veut pas dire que je n'en ai pas. C'est là où à l'intérieur de moi, c'est ouvert. C'est pas, wow, maintenant, ça y est, c'est retourné. Non, il n'y a jamais rien qui est retourné dans la vie. Il y a toujours encore à aller plus loin. Et c'est ça qui est génial. Donc, c'est là où comment est-ce que tu vas pouvoir ouvrir et accueillir ce charme à l'intérieur de toi, déjà en te charmant. Et ça peut être vraiment en allant à certains moments à retrouver cette innocence aussi. Tu es aussi gardienne de ton innocence. Et maintenant, c'est vraiment sentir que tu es grande. Tu es la grande. Et que tu as baroudé avec tout ça. Donc, ce sont des petites clés que je te donne très rapidement. Nina, est-ce que toutes les personnes qui vont nous attirer viennent forcément nous faire travailler sur les points qu'on a retournés? Oui. C'est rapide la question. La réponse. Bien sûr. Excusez-moi. Ce qui se passe à l'extérieur de nous, ce qui se passe devant nous, ce que nous sommes amenés à vivre, c'est le reflet de ce qui est à l'intérieur de nous. Et très souvent, je dis que dans la relation de deux, dans le couple à deux, ben, l'autre est l'expression de mon masculin, c'est-à-dire Fabien.
est l'expression de mon masculin. Quand je trouve que Fabien a un masculin qui est très tranchant et très percutant, ok, comment est-ce que je peux juste aller regarder mon masculin? Et ouais, il est tranchant. Et des fois, il est tranchant avec moi. Donc, c'est cet élément-là. Ça ne veut pas dire que c'est tout comme ça, un miroir si simple, mais c'est à chaque fois quand l'autre vous renvoie quelque chose qui vous dérange, ça vient vous faire retourner des choses à l'intérieur de vous. Alors, il y a beaucoup de commentaires, je dirai tout après, hein, ne vous inquiétez pas. Ça doit être chouette de faire le challenge en réel. Bon ben, et puis surtout le challenge sur le couple, surtout on sera Fabien et moi. Donc là, ça va donner. Julie, j'ai peut-être raté quelque chose, mais comment se séduire soi-même? Alors, je ne sais pas si tu étais là au début. J'en ai parlé effectivement au début. Moi, ce que je propose, se séduire soi-même, c'est se savourer. C'est déjà savourer les choses que tu aimes bien à l'intérieur de toi. Ça peut être en te regardant dans une glace, ça peut être en le regardant directement, ça peut être... Et se séduire, ça peut être aussi en te caressant, en disant « Oh, en fait, je peux être douce avec moi-même. Ah ouais, j'aime mon contact, j'aime mon toucher. » Tout ça, c'est une manière de se séduire. Et c'est vraiment... Ça va être à toi de trouver ces chemins-là pour te séduire et pour... non pas en mettant des masques, mais au contraire en allant sous les masques. C'est comment est-ce que ce qui est sous le masque peut te séduire suffisamment pour que tu n'aies plus besoin du masque. Tu vois, au départ, c'est je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas... Et donc, je mets des masques et c'est... Vous me reconnaissez dans ce masque? Et est-ce que je suis séduisante avec ce masque? Dites-moi. Moi, j'ai essayé de faire un masque qui soit séduisant, mais est-ce que c'est le cas? C'est ça que je cherche. Et donc, à ces réponses, on va dire « Oui, t'es séduisante, t'inquiète pas » ou « Non, t'as pas vu, c'est n'importe quoi, c'est qu'un masque. » Enfin, il peut y avoir plein de réponses par rapport à ça. Et c'est comment est-ce que me séduire moi à moi, c'est dans ce rapport où je suis. Pour moi, je vous invite vraiment à ouvrir un espace dans lequel vous vous sentez en sécurité de vous à vous. C'est votre laboratoire intérieur. Vous êtes en sécurité de vous à vous. Comment trouver cet espace-là? Et ça, c'est en ouvrant déjà un espace de bienveillance de vous à vous, un espace de tendresse de vous à vous. Avec, j'ai joué avec cette grande et cette petite, il y a tous les espaces, tous ceux qui cherchent à être aimés et autres, c'est toutes nos petites qui sont là et qui cherchent, moi je voudrais être aimée, ça, là. Ok, viens là, viens sur mon cœur, c'est ok. Comment vous pouvez vous aimer avec ça? Déjà dans un premier temps, vous prendre dans les bras, c'est déjà se séduire. Ça va être un petit pas, ça va être un peu tous les jours, un peu plus. Et c'est là, vous allez trouver vos chemins. Moi, je vous donne mes pistes à moi. Ça peut être effectivement par le corps, ça peut être par le miroir. C'est ce que je vous donnais en début de webconférence. Et ça peut être aussi avec au niveau du cœur, de sentir que, par exemple, quand je donne souvent cette image, quand je me prends dans les bras, quand je me prends dans les bras, bah comment est-ce que je peux juste avoir cette impression que c'est une femme, là, c'est un bras de femme, donc avec un cœur de femme qui se pose sur un cœur de femme, un autre cœur de femme. Quand je me prends dans les bras, il y a celle qui prend et celle qui est prise. C'est comment est-ce que là, je vais pouvoir... ouvrir mon cœur, comment est-ce que je vais pouvoir apaiser les espaces qui ont peur de pas être aimés? Comment cet élément-là, et ça va être, c'est une histoire d'apprivoiser. Apprivoisez-vous. Le simple fait de souhaiter une relation de couple est une attente? Oui. Stéphanie, c'est une attente. Dire que... si tu souhaites avoir une relation de couple, ça veut dire qu'effectivement, tu convoites quelque chose. Et on avait fait avec Fabien, on avait fait un web momentum, plusieurs web momentum sur les émotions, et il y en avait un avec la convoitise. Je désire quelque chose et on a du mal à reconnaître que c'est de la convoitise. Ouais, je convoite une relation de couple parce que j'ai bien envie. Dès l'instant où tu convoites, tu n'es plus avec toi. Donc,
Sur quoi va être bâtie cette relation de couple, puisque ça va être une rencontre, je le dis encore, une rencontre d'absence. Alors que si, effectivement, ce qui m'a permis de rencontrer Fabien, c'est que c'était à un moment donné où je ne voulais absolument pas de relation. Je n'en cherchais pas. Je voulais me retrouver, je voulais être avec moi et j'œuvrais à ça. Et du coup, je me suis vraiment laissée surprendre, c'est-à-dire qu'il a été là et il y a un moment donné où juste j'ai eu à dire, et si? Et si je passais une minute avec lui? Mais juste une minute, j'ai pas envie d'une relation. Donc, et une minute, ça a été 2 minutes. Et 2 minutes, ça a été 24 heures. Et 24 heures, ça a été 2 jours. Mais je n'avais toujours pas envie d'une relation. Et un an, ça a été pas à pas comme ça, de 24 heures en 24 heures. Je ne cherchais pas une relation. Je vivais ce qui était là. Et en même temps, ben, je ne perdais pas mon cap, qui était de me trouver moi, de ne pas me perdre moi, de rester moi, même si pendant 24 heures, j'étais en relation avec quelqu'un. Mais je n'ai jamais cherché à construire avec Fabien. Et on m'aurait dit avant que j'allais avoir une relation avec Fabien, que j'allais construire quelque chose avec Fabien, j'aurais dit non, 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 parce que c'est pas du tout l'homme que je cherche. Et si j'avais cherché un homme, eh ben, ça n'aurait pas été celui-là. Donc laissez-vous surprendre. C'est faire confiance que si effectivement, s'il y a un homme qui a à vivre avec toi, s'il y a quelqu'un qui a à vivre quelque chose avec toi, tu vas le rencontrer. T'as pas besoin de le chercher. Ça va venir. Ça va se présenter. Occupe-toi de toi. Qu'est-ce que ça veut dire quand un homme te dit que tu réveilles son féminin? Eh ben, écoute, le plus simple, Catherine, c'est de lui demander. J'en sais rien. Quand effectivement, tu as une question comme ça par rapport à quelqu'un, ben, demande-lui. Ça peut dire plein de choses. Je ne sais pas. Surtout qu'on met beaucoup de choses dans le féminin. C'est un peu les Amazones. Alors là, Rosemary, tu dis ça, c'est une question, mais je ne sais absolument pas à quoi tu fais référence. Donc, je ne peux pas te répondre. Ma responsabilité de femme séduisante vis-à-vis de l'autre serait donc de veiller à l'authenticité de ma séduction. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est là où, effectivement, Nina disait, je me sens responsable de ce que ça crée chez l'autre. C'est-à-dire que si je ne suis pas claire avec moi-même, si je ne suis pas dans l'authenticité, dans la clarté, si ce n'est pas mon désir à l'intérieur de moi où je sais ce qu'il en est, dire que si je désire avoir une relation sexuelle avec cet homme-là et avoir une relation avec lui, bah, ma séduction va aller avec ça. J'y engage mon sexe et j'y engage mon sexe jusque dans un rapport sexuel. Est-ce que ça aboutira là? Je ne sais pas, mais ça n'empêche que ma séduction va jusque-là. Alors que si c'est pour séduire, simplement pour jouer à ce jeu de séduction et qu'à l'intérieur de moi, il n'y a rien qui est disponible d'autre, c'est effectivement, c'est ça qui va être ressenti. Moi, je me souviens quand j'ai fait du tango argentin, qui est effectivement une danse dans laquelle il y a beaucoup, beaucoup de séduction. Et en plus, je vous avouerai que j'allais non pas ces cours de tango argentin, mais de milonga. Je m'étais, parce que j'aime beaucoup mon corps et j'aime beaucoup sentir mon corps et sentir le mouvement des vêtements sur mon corps. Et du coup, très souvent, je suis nue sous mes vêtements. Et quand j'allais au tango, j'avais une petite robe noire qui était un petit peu fendue et qui était un peu moulante et j'avais rien dessous. Ça ne se voyait pas, mais obligatoirement, l'homme, quand il posait sa main, pouvait éventuellement le sentir. Mais j'étais au clair avec moi, c'était pas pour avoir quelque chose de... C'était parce que j'apprécie ça et ça fait partie de ma sensualité. C'est de sentir ce mouvement de mes vêtements, ça fait partie, cette liberté de mon corps, c'est primordial pour moi dans ma sensualité, pour moi. Donc ça me permet effectivement de m'habiter pleinement. Et du coup, en étant pleinement claire de jusqu'où je vais, ça me permet d'aller très loin dans la danse à deux.
de m'ouvrir pleinement à cette danse, à cette séduction, à cette sensualité, parce qu'à l'intérieur de moi, c'est posé que ça n'ira pas plus loin et qu'il n'y a rien de fermé. Ma décision est ferme, mais elle n'est pas fermée. C'est pas clôturé, c'est pas un espace clôturé, c'est un espace qui est pleinement habité, pleinement assumé. Et à ce moment-là, l'autre le sent. Et il y a des hommes qui m'ont dit, waouh, écoute, moi j'aime bien danser avec toi parce que je peux vraiment aller jusqu'au bout, me donner pleinement, je me sens pas en danger. Et ça m'a étonnée d'entendre des hommes me dire, je ne suis pas en danger quand je danse avec toi. Donc c'est ça, ils le sentaient. C'était quelque chose de simple et de sain, et du coup on pouvait se donner pleinement dans ce jeu de séduction. Mais quel plaisir! Quel plaisir! Quelle richesse! Donc c'est effectivement ça, c'est l'authenticité, c'est ton authenticité dans ta séduction et ton authenticité dans ton désir, dans ta limite. Jusqu'où tu vas aller? Lorsque l'on vibre avec justesse, attirons-nous en retour des personnes qui vibrent juste aussi? Et peut-on attirer des personnes dont c'est la façade qui vibre? Alors, la plupart du temps, la façade, elle vibre pas. Si tu veux, c'est un peu toi, lorsque tu es, il n'y a pas de vibrer avec justesse ou pas, tu vibres à ton diapason. Et c'est juste, est-ce que tu assumes ton diapason ou est-ce que tu dis non, moi non, je suis pas ça, je suis juste là. Donc c'est ça que je vibre. Tu vois, tu le diminues un peu. Donc à ce moment-là, si c'est ça que tu vibres, bah, tu vas attirer des gens qui sont à ce diapason-là. Si tu n'accueilles pas ta puissance féminine, ta puissance de ta pleine beauté, tous ces espaces-là, si tu ne les accueilles pas, si tu ne les incarnes pas, si c'est pas simple à l'intérieur de toi, bah, et tu dis non, 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 moi je suis juste ça, et ça, je peux le tenir. Donc effectivement, les personnes que tu vas attirer sont sur ce niveau-là. Mais comme fondamentalement au niveau de ton être, tu es plus vaste que ça, tu vois que, ben ouais, mais eux, c'est des... Ben, ils te renvoient le fait que toi, tu te crois pour fou. C'est juste ça. La peur de ce que je déclenche quand je séduis sans chercher à séduire, c'est qu'il tombe amoureux de moi. Ça me donne l'impression de créer des dégâts collatéraux quand je me déplace et je m'en sens responsable. Est-ce que ta réponse est la même que pour la notion d'aguicheuse? Alors, déjà, à chaque fois quand j'ai peur de quelque chose, je l'induis. Donc c'est là où petit à petit, ayez conscience de ça. Parce que si vous partez dans vos jeux de séduction avec toutes vos peurs, ça va se créer. Ce sont vos peurs qui sont là en disant « Welcome !» et qui appellent. Donc c'est « Wow !» Ayez conscience de ça et prenez-le dans vos bras et dites « Ok, moi j'ai peur de ça. » En même temps, c'est comment est-ce que tu peux être clair avec toi et qu'éventuellement un homme tombe amoureux de toi? C'est là où tu vas, toi, tomber amoureuse de lui ou pas. Est-ce que ça va être quoi ta réponse? Mais c'est d'être au clair avec toi par rapport au fait que tu peux provoquer ça. Et je suis persuadée qu'il y a déjà des hommes qui sont tombés amoureux de toi, mais que tu n'as pas répondu. Que tu as laissé passer comme ça, alors que tu sentais qu'ils étaient amoureux de toi. Donc, ça montre que c'est possible. Du coup, qu'est-ce qui change dans ceux où effectivement il va y avoir une relation avec, comme tu dis, des dommages, dégâts collatéraux et tous ces espaces-là? C'est vraiment cette notion de tu ne peux pas prendre en charge ce que tu crées chez l'autre. En revanche, sois clair avec ce qui émane de toi. Sois clair avec ce à quoi tu joues. C'est vraiment ça qui est primordial. Parce que par rapport à la guicheuse, ça revient un petit peu comme la guicheuse, l'allumeuse, un peu tout ça. C'est oui, si t'es pas clair avec ton désir, si par exemple quand j'allais danser le tango, j'étais pas claire à l'intérieur de moi sur jusqu'où je vais dans cette dans
dans cette relation-là, où je pose ma limite, quelque part, si je suis pas claire avec ça, ben, effectivement, c'est l'autre, il se dit, waouh, super, c'est probablement un bon coup, là. Et il va me le faire savoir. Et j'ai tout fait pour, puisque j'étais pas claire. Donc après, effectivement, j'ai à me dépatouiller avec ma non-clarté. Ça va demander à ce que, est-ce que je réponds, je continue dans ma non-clarté et que du coup, ça me rappelle quelqu'un qui me disait, mais moi, j'ai l'impression que à chaque fois que je suis dans la séduction, ben, il va falloir effectivement qu'après, je passe à la casserole. Oh, quand elle m'a dit ça, ça m'a fait un petit peu bizarre. Mais c'est un peu ça. C'est qu'est-ce que je me dis, ok, j'ai pas été claire du coup. Je lui donne raison et on part dans une relation avec laquelle j'ai pas tellement envie, je ne suis pas au clair. Ou est-ce que ça m'amène à pouvoir, même s'il y a des dégâts, à pouvoir poser un non là où je sens qu'il est juste pour moi, même s'il aurait été plus juste avant. Et effectivement, ce non-là, parce qu'il est retardement, va créer plus de dégâts qu'avant. Mais peut-être moins que si je continue dans cette non-clarté pour ne pas froisser l'autre, pour ne pas faire de dégâts ou autre, où je continue un petit peu plus loin, et où il y a un moment donné où il va falloir poser un non. Et où plus j'attends, plus je m'éloigne de la source de la clarté, plus les dégâts seront importants. Donc c'est là où c'est pas parce que vous avez manqué de clarté dans votre séduction et qu'à un moment donné, vous vous en rendez compte. Quand vous en rendez compte, rectifiez. Rectifiez. Osez dire non, osez dire stop. Même si on vous traite d'aguicheuse, d'allumeuse, n'importe, ça peut être beaucoup mieux pour vous que d'aller plus loin. Alors, souvent dans notre couple, nous préférons plus des moments de tendresse que les actes en sexualité. Et nous nous demandons, est-ce que nous sommes dans une relation qui peut se réaliser autrement? Alors, ça, oh, c'est toute une grosse question que tu poses, Christelle. Écoute, ça ouvre beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je vais essayer d'y répondre très rapidement. De toute manière, si tu veux, c'est un choix. C'est-à-dire que si, effectivement, c'est juste de la tendresse, est-ce que c'est encore un couple au niveau... Normalement, dans le couple, il y a de la sexualité. Et après, si tu veux, si c'est juste de la tendresse et qu'il n'y a pas de sexualité, elle est où ta sexualité? C'est-à-dire que ce que j'espère, c'est que toi... Ta sexualité, elle est bien vivante. Le but de ces webconférences, c'est d'amener à ce que votre sexualité soit vivante. Est-ce que vous soyez une femme sexuée ou un homme sexué, pleinement vivant, pleinement épanoui et que ce soit actif? Si ce n'est pas le cas, tu laisses s'endormir à l'intérieur de toi ton énergie de vie. Eh oui, allez à la première conférence, la première webconférence de cette année, où je parle de ça. Donc, c'est là où, si effectivement tu te dis, ah ben, j'arrête cette relation-là, peut-être qu'en recommençant avec quelqu'un d'autre, ça va réveiller les choses. Oui, c'est possible. Mais ça n'empêche que si tu n'as pas changé quelque chose de toi à toi, au bout d'un moment, ça va s'endormir de la même manière. Et tu vas retomber sur la même chose. Moi qui me gêne, ce qui me gêne, c'est justement ce que je peux déclencher sans forcément le faire exprès. Juste avec un vêtement, une posture, une énergie particulière. Tu parles de fermer des espaces de séduction, j'entends, et à la fois je ne comprends pas à quoi ça sert. Puisque majoritairement, je veux rien du tout avec ces hommes-là, et je ne sais pas comment ouvrir ces espaces où j'attire l'attention et où je veux juste être tranquille. Alors déjà, je t'invite, Chloé, à être vraiment claire avec toi-même par rapport à ces espaces-là. Sentir qu'effectivement, tu es séductrice. Et il y a une différence entre je suis séductrice, petite fille, charmeuse, innocente et ça m'échappe. Ou je suis femme, je suis reine
et je suis séductrice. Ça n'aura pas du tout le même parfum. Dire qu'effectivement, le je suis séductrice, oh ben ça m'échappe, des choses comme ça, c'est plus de la petite fille. Donc là, c'est comment est-ce que tu peux amener ta reine avec ta petite fille? Ta petite fille, elle va être très précieuse. Tu vois bien que moi, quand je cherche pas quand je cherche à séduire, mais quand je vous parle ou autre, il y a plein d'espaces de ma petite fille qui sont là. Donc, c'est effectivement, c'est intimement lié puisque notre petite fille intérieure, elle est l'expression de notre énergie de vie. La sexualité est une des expressions de notre énergie de vie. Donc, obligatoirement, il y a la petite fille qui est là. En revanche, là, par rapport à la séduction pour ne pas être en danger, c'est comment est-ce que je peux l'assumer en reine? Ça veut dire que ma petite fille, je vais pouvoir la laisser jouer parce que je suis reine avec elle. C'est ça que tu vas avoir à aller chercher. Julie, peux-tu m'éclairer? Comment on peut se mettre en danger en se fermant? Ben, si tu veux, lis le conte de Barbe Bleue. Ça fait quoi qu'il ait fermé la porte? Ça donne qu'une envie, c'est de l'ouvrir. T'as exactement la même chose. Lorsque tu fermes des espaces, ça donne envie à d'autres d'ouvrir ces espaces-là. En matière de séduction homme-femme, il n'y aurait donc pas d'hommes mauvais et que des femmes heurtant l'incohérence, que des hommes heurtant l'incohérence de femmes inauthentiques, quid des relations homosexuelles. Alors déjà, homme mauvais, c'est un jugement. Pour moi, je suis dans un espace où il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Enfin, c'est tout ce qui est, c'est bien, c'est mal, c'est mauvais, c'est... Tout ça, ça appartient au monde de la séparation. La vie, elle appartient à un monde d'unité. Le Verseau nous amène à être dans l'unité. Donc dans l'unité, il y a des hommes et il y a des femmes. Et il se trouve que dans la relation... Quelle que soit la relation, c'est-à-dire que si effectivement je me cogne à la porte, l'endroit où je vais me cogner à la porte, c'est un endroit qu'à ce moment-là, je n'habite pas. Sinon, je ne me serais pas cognée. Donc tout ce qui me heurte, quel que soit ce qui me heurte, me parle d'espace où je ne suis pas. Si c'est un homme qui me heurte, il va me parler d'espace où je ne suis pas. Si c'est une porte, c'est pareil. Si c'est une femme, c'est pareil. Après, dans les relations homosexuelles, et c'est là où effectivement j'en parle peu dans ces webconférences, j'ai hésité, homosexuels, il y a... Oh, ça rentre dans un... dans tout un domaine, c'est-à-dire que homosexuel, il y a vraiment la circulation de l'énergie de vie à l'intérieur de nous. Pour la femme, elle part du cœur et elle rentre dans le sexe. Je donne avec mon cœur et je reçois avec mon sexe. Chez l'homme, il donne avec son sexe et il reçoit avec son cœur. C'est ce que je vous ai dit dans la première webconférence. Et du coup, quand on est dans un couple hétérosexuel, il va y avoir circulation de ces deux énergies. Ça circule comme ça. Quand il y a un couple homosexuel, eh ben c'est les deux qui donnent et les deux qui reçoivent sont au même endroit. Donc il y en a un qui va devoir utiliser sa part masculine ou sa part féminine pour pouvoir s'accorder avec l'autre. Et en même temps, bien souvent dans l'homosexualité, il y a cette notion d'aller vers le même parce que c'est plus sécurisant, c'est plus sécuritaire que d'aller vers l'autre différent. Et ça, c'est un stade au niveau de l'évolution sexuelle, c'est un stade de l'adolescence que je n'ai pas passé, dans lequel je n'ai pas été accompagnée. Alors ça peut être, on a des passages d'homosexualité et ça permet de nous aimer. Dire le fait de séduire une femme, d'aimer tous les espaces d'un corps de femme et autres, ça nous permet d'aimer notre corps. Sauf si on se dit, ok, j'aime le corps de cette femme-là et c'est pas le mien. Non, profitez de ça pour pouvoir aimer son corps et aimer se séduire soi-même. Peut-être que j'ai à passer par là pour m'aimer jusque-là. Et après, c'est comment est-ce que de là,
Je vais pouvoir me sentir suffisamment reine sur mes terres pour ouvrir la possibilité de rencontrer l'autre. Alors, il y a encore plein, 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 plein de questions. Je vais essayer d'aller voir rapidement parce que le temps tourne. Est-ce que j'ai... Je pense que je vous ai dit beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses déjà. Je vois des cellules de Maïti chez Ludivine, ma fille de 12 ans. Elle me renvoie aussi à 0%. J'en suis pour pouvoir l'accompagner du mieux que je peux en tant que maman et femme dans sa découverte de sa féminité. Des étapes à définir dans le rôle mère-fille. Alors, ce qui est important, c'est de savoir que le meilleur moyen que tu as pour l'accompagner, c'est toi, d'être femme et d'aller au bout de ta féminité, de ta sensualité, de ta sexualité. Ça va être ça. C'est ça que tu vas lui transmettre. Si tu veux les enfants, ils transmettent ce que l'on porte. Donc on n'a pas à leur dire ce qu'on n'est pas. On a à être, à incarner ce que nous sommes. C'est comme ça que tu vas pouvoir le transmettre. Pourquoi cette dichotomie entre homme, présence et femme, amour? Ça peut être bizarre, mais personnellement, j'ai l'impression d'être un peu les deux. Que, écoute, c'est comme on est homme ou on est femme, c'est des choses qui sont comme ça, mais à l'intérieur de toi, tu as du masculin et du féminin. C'est comme si c'était le principe femme et le principe homme, quelque part. Donc, à l'intérieur de toi, tu peux très bien avoir les deux et jouer avec les deux. Et de toute manière, l'important, c'est de pouvoir être en amour et en présence. Donc, c'est comment est-ce que l'autre m'amène à évoluer vers l'aspect de moi que je n'ai pas développé. C'est-à-dire comment est-ce que l'homme, dans sa manière d'être présent dans ce qu'il fait, va m'amener moi, par exemple, un homme, quand il y a plein de choses à faire, il va d'abord se consacrer à lui, présence. Il sait que s'il n'est pas plein de lui, il n'est pas disponible à l'autre. Donc, ce n'est pas la peine. Nous avons à apprendre de ça. Combien d'entre nous, femmes, lorsqu'il y a plein de choses à faire, on commence par faire quelque chose pour nous. Alors que l'homme nous l'apprend. Nous, on est d'abord amour. On va d'abord faire tout ce qui est possible pour les autres. Nolwenn, est-ce que ça n'amène pas de la jalousie malsaine de l'autre côté, souvent du même sexe? Ou est-ce que justement le fait que c'est de nous à nous, il n'y aura pas jalousie de l'autre côté? Écoute, de toute manière, puisque c'est de nous à nous, si tu veux, c'est juste, tu es vivante et pleinement vivante, donc ça ne peut être qu'attractif. Sauf si ça fait tellement mal à l'autre parce qu'il est trop noué dans son vivant, être musé dans tous les sens, et le fait que tu t'autorises à être vivante, ça éclaire le fait que lui ou l'autre est complètement muselé là-dedans et que ce soit insupportable pour l'autre. Ce n'est pas ta responsabilité. Tu n'es pas responsable de ce que ça crée là. En revanche, comment est-ce que tu peux, toi, veiller à ce que ce que tu fais à l'intérieur de toi ne soit pas malsain? Il y a vraiment cet élément-là. Et laisse aux autres la responsabilité de ce qu'ils ont. C'est-à-dire que vous vous rendez compte, là, dans toutes les remarques que vous faites, il y a plein de choses qui sont pour les autres, dans votre rapport aux autres. Parce que je voudrais préserver l'autre, je voudrais essayer qu'il n'y ait pas ça chez l'autre, j'attends ça de l'autre. Non, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas cette autorité-là. Occupez-vous de vous. Et après, vous verrez qu'est-ce qui va émaner de l'autre. Et est-ce que vous êtes prête à recevoir ce qui émane de l'autre? Est-ce que vous êtes prête à rencontrer l'autre? Pas toujours. Mathilde, comment faire lorsque pour des raisons médicales, traitement hormonal, endométriose, une femme ne peut plus être connectée à son cycle? Elle souhaite s'habiter pleinement. Va sur le monde de Launa. Si tu veux, de toute manière, tu as toujours un cycle, même si tu as des hormones. Sinon, tu serais morte. Tu as toujours un cycle. Et ce cycle t'amène toujours à te connecter à toi et à être reine sur tes terres. Les hommes ont un cycle. Une entreprise a un cycle. Tout ce qui est vivant a un cycle. Donc même si tu as des hormones, tu as un cycle.
Il suffit que tu l'écoutes, mais au départ, écoute celui de la Lune. Tu es influencé par celui de la Lune, donc tu peux écouter celui de la Lune. Ça peut t'apprendre à aller à la rencontre de ton cycle. Cécile, comment prendre les réflexions d'une autre femme mère sur une attitude supposément séductrice et qui apparemment lui fait monter de la colère? Exemple, je ne porte pas toujours de soutien-gorge. Que signifie cette réaction pour elle? Que dit-elle sur moi et sur la façon dont je suis ou pas reine sur mes terres? Écoute, qu'est-ce que ça signifie pour elle? C'est son problème? J'en sais rien. Il peut y avoir plein de choses. Demande-le lui. C'est le meilleur moyen. Sinon, ce sont des interprétations. Et si tu veux, toi, le fait d'être reine sur tes terres, c'est de pouvoir. Moi, pendant longtemps, je portais pas de soutien-gorge et ça gênait ma fille. Et je disais oui. Et je me souviens même de Dao. C'était, je tournais une formation, je sais plus laquelle, mais ça devait parler de séduction ou de choses comme ça. Et j'avais une robe blanche que j'aime beaucoup. Et puis Dao commence à filmer. Puis tout d'un coup, je le vois qui sort sa tête de la caméra et qui me dit Meiti, on va couper là. Je dis oui, pourquoi? Il me dit Meiti, t'as rien sous ta robe? Je dis, ben non, j'ai rien sous ma robe. Et il me dit, ça se voit. Alors, moi, je vérifie, ça se voit, oui, mais c'est pas comme si j'étais toute nue, quoi. Enfin, il y a quand même, voilà, on voit que j'ai une aréole, hein, c'est discret, c'est très discret. Et je dis, ouais, mais c'est OK. Enfin, moi, ça me dérange pas. Je le porte, je l'assume et c'est tout, quoi. Et c'est cet élément-là, c'est-à-dire que comment est-ce que toi, si tu es reine sur tes terres, Cécile, si tu es reine sur tes terres, tu peux accueillir le fait que ça perturbe ta mère et que ça la mette en colère? C'est son histoire. Effectivement, comme c'est ta mère, ça appartient à ton histoire, mais peut-être que tu l'as dépassée. En revanche, est-ce que tu fais ça pour la provoquer? Ah, vérifie. Mais c'est si t'es bien avec ça et que tu l'assumes, ça n'a pas à t'affecter. Et en même temps, tu peux peut-être ouvrir ton cœur en accueillant le fait que ça mette ta mère en colère. Peut-être qu'elle aussi, elle aurait aimé pouvoir ne pas porter de soutien-gorge et qu'elle ne se l'est jamais autorisée. Peut-être. Stéphanie, est-ce qu'on peut faire le challenge couple cet été sans être en couple? Oui. Ah, c'est bien, il y a des questions qui sont faciles à répondre. Et la loi d'attraction nous dit de demander, d'imaginer, de désirer pour que ça arrive. Pour ma part, ça ne marche pas. Ben oui. Parce que c'est pas si simple que ça. Alors, avant de répondre à ta question, je vais voir les autres parce que elle nous fait sortir un petit peu du cadre. Christelle, oui, je me suis laissée surprendre avec la rencontre de mon mari. Ensuite, au bout de 17 ans, que des challenges à relever après la naissance de nos deux anges qui grandissent et nous renvoient à qui nous sommes aujourd'hui dans notre dimension de femme et d'homme. Le diamant n'est pas loin. Oh, je ne sais pas si le diamant n'est pas loin, si tu veux. C'est sûr que la relation de couple nous amène à aller énormément vers notre diamant. Et est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on est proche de notre diamant? Moi, je sais qu'on s'en rapproche, mais est-ce qu'il est loin, est-ce qu'il n'est pas loin, ça veut rien dire. Je sais pas. Si tu veux, plus tu es en joie dans ta vie, plus tu es en. Ça ne veut pas dire que ta vie est lisse, mais plus tu la traverses en restant en harmonie à l'intérieur de toi, même si c'est pas lisse, si c'est tout dans tout ce. Tu joues avec tout ça, ben plus effectivement, plus tu es proche de toi. Claire, je me suis cachée toute ma vie tout en étant chanteuse lyrique. Il y a 8 mois, les mémoires d'inceste lorsque j'étais bébé sont remontées. Depuis, je ressens un élan de vie très fort et je ressens l'envie de me former pour m'y connaître au niveau technique internet et prendre ma place. Et en même temps, j'ai l'idée que si je suis reine sur mes terres, les choses pourraient se faire d'elles-mêmes. Je crains de me perdre dans les énergies trop, dans le faire, faire, faire. Après avoir effacé, qu'en penses-tu? Je n'y vois pas très clair encore. Je vois pas trop le lien avec la séduction. Je vois pas trop le lien avec la séduction. Avoir été effacée, craintive. Qu'en penses-tu? Je n'y vois pas très clair. Là, probablement, si tu veux, il y a effectivement quelque chose qui s'est retourné à l'intérieur de toi et tu as la possibilité de pouvoir dépasser ça.
en venant reine sur tes terres, tu vas effectivement dépasser ça et va se faire. Il y a des choses qui vont changer. C'est-à-dire qu'après, si tu as cette envie d'aller vers les techniques Internet et autres, prendre ta place, bah vas-y. En revanche, c'est est-ce que tu cherches à avoir du succès, à être reconnu ou tout ça, ou est-ce que c'est simplement c'est ce qui te parle là aujourd'hui? Est-ce que c'est ce qui te fait pétiller? C'est toujours pareil, si tu cherches pour avoir un effet, ou est-ce que c'est parce que c'est ça qui t'habite? Quand j'ai lancé le challenge de la Luna qui a rassemblé 1700 femmes du monde entier sur la première lunaison de printemps, si tu veux, je m'attendais à faire un challenge. Je ne m'attendais pas à ouvrir le monde de la Luna. Et c'est pour ça qu'après, ok, c'est super, mais je vais ouvrir un monde parce que ça me plaît, ça me fait pétiller. C'est génial ce qui est là, c'est vivant. Donc j'ai envie d'en faire un écrin. Je ne l'ai pas prémédité. Alors, Julie, je n'ai aucun désir sexuel. Est-ce que la séduction est une étape indispensable pour une vie sexuée? Alors, c'est là où ça va amener à la sensualité. En même temps, Julia, je t'invite éventuellement à écouter la première web conférence où je parle un petit peu de ça. Je t'invite, je pense pas que j'en ai fait une. Je t'invite aussi à aller voir, à écouter celle qui est non pas le mois prochain, mais le mois suivant, qui est sur la masturbation. Et la masturbation, c'est un moyen que tu as de pouvoir réveiller ton désir, tout doucement, déjà de toi à toi. Le fait de t'aimer, le fait de la séduction, ça peut aussi, la sensualité, c'est quelque chose qui va réveiller ton désir éventuellement, mais ça peut commencer juste par éveiller les éléments, c'est-à-dire c'est sentir cette sensibilité, tuer ton être-té et désir, et ton être-té et aussi désir sexuel, ton être. C'est juste parce que tu t'es insensibilisé que tu as perdu ça. Donc c'est comment réouvrir à la sensibilité sans forcément que ce soit sexuel. Déjà de t'ouvrir à un désir sensuel de toi à toi. Léa, comment apprendre à savoir jusqu'où je veux aller? Comment être au clair alors qu'on apprend aux petites filles d'être obéissante et soumise au désir de l'autre? Eh bien déjà, Léa, tu as grandi. Tu n'es plus une petite fille. Donc pour être au clair, c'est déjà sur... c'est simplement dans ta vie de tous les jours, quand tu manges, est-ce que tu es au clair avec ce que tu manges? Quand tu vas au cinéma, est-ce que tu es au clair avec le fait d'aller au cinéma? Quand tu vas à ton travail, est-ce que tu es au clair avec ça? Comment est-ce que tu es au clair avec le fait où est-ce que tu fais les choses parce qu'on t'a dit qu'il fallait le faire? Donc va voir sur des petites choses très simples et ose être une mauvaise élève. Ne pas être une bonne élève. Ça, je le sens pas, je le fais pas. Donc commence. Moi, quand il y a eu un moment donné où il y a eu lorsque je me suis séparée du père de mes enfants, je me suis retrouvée toute seule. Et ça faisait 28 ans que je vivais avec lui. Et du coup, j'avais jamais été vraiment toute seule. Et là, j'ai commencé à me dire, mais c'est quoi que j'aime? C'est quoi ce que j'aime manger? C'est quoi la musique que j'aime écouter pour moi? Donc commence par des choses comme ça. Déjà, de voir de toi à toi. Dorothée, est-ce que l'on peut rester dans l'être relié pleinement à soi à chaque instant ou y a-t-il des moments où le masque égotique est inévitable et nécessaire? Écoute, l'important c'est que lorsque tu sais être dans ton être et que tu reconnais les masques égotiques, tu peux jouer avec tes masques égotiques quand tu en as envie. Dans un monde de survie, tu as besoin d'être avec tes masques égotiques puisque c'est eux qui sont les rois et qui connaissent la survie. Par contre, dans la vie, tu n'en as pas besoin, ils vont t'encombrer. En revanche, le fait d'être pleinement à soi, comme tu le dis, à chaque instant, ça sera d'instant en instant. C'est-à-dire, ce n'est jamais acquis. Tu ne peux pas te dire, ouais, ça y est, super, maintenant, j'arrive à être. Non, rien que le fait de te dire ça, tu ne l'es plus, tu es dans ton ego. Trop tard. Donc, c'est cette notion-là de se dire que le vivant, c'est vraiment seconde après seconde. Et comment assumer en reine?
Comment s'assumer en reine? Bon, simplement. Simplement. De toute manière, c'est comment est-ce que petit à petit tu vas pouvoir accueillir qui tu es? S'assumer en reine, ça fait partie de l'humilité. L'humilité, c'est j'accueille mes limites et j'accueille ma puissance. Corinne, comment assumer le fait de désirer avoir un rapport sexuel avec un autre homme qu'on a rencontré et qui nous attire, avec qui ça vibre, avec qui on a envie d'expérimenter la séduction et le désir jusqu'à la sexualité, alors qu'on est déjà en couple? Pour moi, ce n'est pas clair. Dois-je être authentique avec mon conjoint en lui en parlant ou vivre ce que j'ai envie de vivre, sexualité avec un autre homme, sans lui en parler? Alors là, Corinne, tu soulèves tout une énorme, 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 énorme question qui est. C'est pas la séduction. Là, c'est la relation. Pour moi, ce que je t'invite, c'est à être clair avec toi-même. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir ce. Là, il y a un homme qui éveille la sexualité à l'intérieur de toi. Cette sexualité qui est éveillée à l'intérieur de toi, comment tu en prends la responsabilité et comment est-ce que toi, tu l'actives? Ce qui fait qu'après, ça va être de ton choix et de ta décision de reine. De savoir si celle-ci tu l'actives avec toi et uniquement de toi à toi, si tu l'actives avec ton mari, ça revient au même, ou si tu l'actives avec cet homme-là. Et après, le comment, ton choix, ta décision, ça t'appartient. Pour moi, ce que j'ai envie de dire, c'est sois clair. Mais si effectivement le fait d'en parler à ton mari, c'est pour espérer qu'ils te disent OK, à ce moment-là, tu n'es pas reine. À ce moment-là, tu ne prends pas la responsabilité de ce que de ton choix. Tu lui demandes de cautionner ton choix. Et à ce moment-là, c'est un jeu qui est très dangereux. Donc, je t'invite vraiment à vérifier ce à quoi tu joues. Et en même temps, c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce que tu cherches et c'est quoi le game, quelque part. Aurélie, lorsqu'il n'y a plus d'intimité à deux, est-ce un point de non-retour? Non, ce n'est jamais un point de non-retour. Aller sur ma première webconférence. En partant du principe où je m'habite pleinement et que je vibre, il y a toujours. L'intimité à deux, c'est déjà. Est-ce qu'il y a toujours l'intimité de toi à toi? Launa, allez sur le site, il y a l'origine de Launa. Voilà, super Nina, merci. Elle répond plus vite que moi. Lina, bonjour Maïti. Si on est en couple avec enfant, peut-on s'autoriser à séduire d'autres hommes? Écoute, je viens de répondre un petit peu avec Corinne. Si tu veux, tout dépend. Tu peux t'autoriser si tu veux obligatoirement, quand tu habites ta séduction comme je t'en ai parlé, c'est-à-dire que tu te séduis toi à toi, tu vas séduire d'autres hommes. Mais tu ne cherches pas à séduire d'autres hommes. En revanche, ce qui est important, c'est d'être clair. Qu'est-ce que tu veux avec ces autres hommes? Et plus tu seras clair, plus ça sera clair aussi pour ton compagnon. Dire que le fait, si toi tu n'es pas clair avec toi-même et que tu séduis d'autres hommes, la jalousie ici pourrait être très présente. Si toi tu es clair avec toi-même, que tu es en relation, donc que tu fais circuler l'énergie de vie, l'énergie sexuelle entre ton partenaire et toi, et qu'avec ça, tu prends plaisir à séduire d'autres hommes en étant dans la clarté de là où tu es, ici, il y aura de la fierté, il y aura de l'amusement, mais il n'y aura pas de jalousie. Parce que tu sais, il sentirait que tu es en lien avec lui. Je suis aussi intéressée d'écouter ta réponse sur la loi d'attraction. Y a-t-il un lien avec ce qu'on incarne? Alors, écoute. Ok. La loi d'attraction, c'est-à-dire que le fait de pouvoir faire une demande à l'univers ou des choses comme ça, pour moi, déjà, c'est le fait que je ne fais pas confiance dans le fait que l'univers veille à moi et la vie veille à moi. La vie m'apporte ce qui est juste et approprié pour moi au moment où elle me l'apporte. Donc si je passe mon temps à lui demander, je voudrais ça, je voudrais ça, ok, ça peut être intéressant de l'exprimer, ça peut être important que je le clarifie à l'intérieur de moi. Et en même temps,
Tu vois bien que ce qui a amené Fabien, qui a métamorphosé ma vie, je l'avais pas demandé. Je sais pas comment l'univers a lu qu'il y avait ça à l'intérieur de moi, mais je l'ai pas demandé. Et pourtant, il pouvait pas y avoir meilleur choix. C'est pas facile avec lui, mais qu'est-ce que ça me permet d'être, de me rapprocher de moi? Oh, c'est magistral. Ça m'a permis de vivre. Fabien m'a ramené à la vie quelque part, sans qu'il le cherche. Donc si tu veux, et en même temps, dans la loi d'attraction, je me souviens d'une femme qui en parlait, qui disait, oh, moi je voulais un homme qui était comme ci, comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, j'avais vraiment toutes les conditions, et tous les soirs j'allais sur la plage et je demandais ça à l'univers, et un jour, dans une salle de conférence, oh, je vois cet homme, c'est lui, je le sais. Et en même temps, elle n'a pas réussi à aller vers cet homme, parce qu'elle avait peur de pas pouvoir de pas lui plaire, de pas ceci, de pas cela, de pas le... Et ça, elle l'avait complètement oublié. Donc il est parti. Est-ce que dans la loi de l'attraction, vous avez notion de toutes les peurs qu'il y a de l'autre côté? Parce que si vous émettez là et que vous n'avez pas conscience de ça, le fait d'émettre ça et de taire ça va faire grossir ça. Et c'est cet élément-là qui va venir contrecarrer le fait que ça puisse exister. Donc, effectivement, vous avez des demandes et que vous n'avez jamais de réponse. Déjà, ça peut être que la réponse ne vient pas dans la forme que vous attendez, que vous imaginez. Vous n'êtes pas ouverte à la réponse. Vous êtes ouverte à une réponse conditionnée. Et à ce moment-là, non. Ou bien, est-ce que effectivement est-ce que vous avez l'impression d'avoir conscience de toutes les peurs que génère le fait de rencontrer ça, d'avoir ça, de recevoir ça? Et de pouvoir dire, ok, je voudrais ça, 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 même si j'ai peur de ne pas lui plaire, même si j'ai peur que ce ne soit pas pour moi, même si j'ai peur de tout ça. Vous mettez toutes les peurs avec vous. Et c'est avec tout ça que vous allez faire la demande. À ce moment-là, vous êtes dans votre authenticité. Voilà, très très rapidement. Hop. Donc, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Et en même temps, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. En même temps, c'était un petit peu diffus dans tous les sens. Je dépasse l'heure, mais ça n'empêche que si j'ai envie de récapituler, je vous dirais que dans un premier temps, il va y avoir cette notion de pouvoir vous aimer dans votre corps, vous séduire, prendre plaisir à vous séduire, sentir votre sensualité, apprivoiser votre sensualité et aimer votre corps sensuel. Donc, habillez-vous dans des vêtements qui sont souples, qui sont fluides, qui permettent cette sensualité. Le fait éventuellement de ne pas porter de culotte, de ne pas porter de soutien-gorge sous vos robes, ça accentue cette sensualité. Faites-le chez vous simplement. Tout ça, c'est des petits éléments. Déjà, soyez en paix avec ça. Et comment est-ce que vous pouvez être en paix avec le fait de vous sentir séduisante naturellement? Et comment est-ce qu'avec ça, vous pouvez aller, la première fois, ça peut être par exemple dans la rue, ou faire des courses, acheter le pain ou n'importe, en vous sentant dans cette vivance séduisante à l'intérieur de vous. Et juste savourer ce que ça fait. Ça va être effectivement d'être reine sur vos terres, c'est-à-dire de revenir vers vous, de revenir vers vous, de vous apporter des signes de reconnaissance du fait que vous êtes considérable, que vous êtes désirable, parce que vous vous désirez. Et que vous êtes considérable parce que vous considérez. C'est comment est-ce que vous pouvez aussi ouvrir un espace de bienveillance, de non-jugement par rapport à vous comme par rapport à l'autre, par rapport à ce qui est. Lâcher les attentes. Et puis être clair avec vous, être clair avec votre désir. Jusqu'où j'ai réellement envie d'aller là? Voilà, ça c'est pour résumer. La prochaine fois, on parle du clitoris. J'adore ça, je pense que c'est ça. Je vais vérifier quand même que je ne vous dise pas n'importe quoi.
Eh oui, clitoris. Comment nous guide-t-il vers la douceur? C'est une grande clé, le clitoris. Et j'adore en parler. Donc voilà, ça c'est dans un mois. Et digérez bien tout ça. Sentez, mais ayez, donnez du temps. Donnez du temps pour aller vers vous. Ayez beaucoup de patience par rapport à ça. Et en même temps, allez-y. Et si vous n'avez plus de désir sexuel, ben, cherchez déjà à vous désirer, vous, à désirer avoir de la douceur, à désirer recevoir de la douceur, des choses comme ça. Voilà. J'ai dépassé l'heure. C'était un sujet très très riche. C'est pas dans mon habitude de dépasser l'heure. Je m'en excuse. Voilà, ça a été très dense. Il y avait plein 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 de questions. Merci de votre présence. Merci de votre constance. Vous êtes restés là alors qu'il est tard. Et vraiment, faites bel usage de tout cela. Prenez ce qui est avec vous, ce qui est avec vous, ce qui vous parle là à l'instant. Cherchez pas à tout intégrer. Voilà. Belle nuit à tous et à toutes. Et encore merci.